Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live sur un format absolument inédit puisque aujourd'hui je ne vais pas vous parler de jeux vidéo, je ne vais pas faire de stream d'un jeu. Non, je vais vous parler de ma deuxième passion, qui est une passion qui remonte à peu près aussi longtemps que les jeux vidéo pour moi, à savoir la Formule 1. Alors pourquoi je vais vous parler de F1 sur cette chaîne? Déjà, bon, comme je vous l'ai dit, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis honnêtement pas loin de 30 ans, hein. Et également parce que c'est quelque chose qui vraiment me passionne beaucoup beaucoup depuis quelques années, c'est-à-dire que j'ai toujours tout suivi, j'ai quasiment jamais loupé un seul Grand Prix, j'ai toujours regardé les qualifs aussi, et c'est vrai que avec le retour de Canal+ en tant que diffuseur, enfin l'arrivée de même de Canal+ en tant que diffuseur, puis la réalisation quand même un petit peu améliorée depuis que Liberty Media est passé par là. J'ai constaté quand même une vraie grosse hausse de l'engouement pour la F1, ce qui a permis d'en parler avec beaucoup plus de gens, de découvrir qu'il y avait des gens qui, comme moi, étaient fans, mais n'en parlaient forcément pas des masses, parce qu'en vrai, ils n'avaient personne avec qui en discuter, parce qu'on avait toute l'impression que la F1, c'était un peu ce sport de vieux dont personne n'a rien à foutre, parce que c'est des voitures qui tournent les unes après les autres et qu'on s'endort. C'était un peu synonyme de sieste dominicale de l'après-midi, hein, la F1, pour quand même pas mal de gens. Et puis donc bah voilà, il y a eu Liberty Media, il y a eu Netflix aussi qui a pas mal relancé quand même l'engouement et la hype pour ce sport. Et du coup, voilà, je vois quand même qu'il y a beaucoup beaucoup de gens autour de moi que ça intéresse. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai envie de passer un peu de temps. On a tous nos spécialités, on a tous un univers auquel on est rattaché, mais on a régulièrement également une deuxième thématique qu'on aimerait bien un petit peu mettre en avant parce qu'on a des choses à raconter, on a envie d'échanger là-dessus. Et moi, c'est un. Alors, j'ai pas envie de vous dire que je vais chercher à percer là-dedans, hein, c'est pas du tout mon but, c'est juste que j'ai envie en fait de vous faire part de mon. Alors, de mon expérience de la F1 et de mes connaissances qui, malgré tout, restent quand même limitées parce que d'un point de vue technique, je suis relativement à la ramasse. C'est-à-dire que c'est littéralement un mec qui regarde des Grands Prix depuis son canapé et qui n'a pas le permis de conduire, qui n'a jamais conduit une bagnole, qui va vous parler de F1. Maintenant, j'ai une grosse sensibilité, à dire tactico-sportive vis-à-vis de ce sport. J'ai regardé pratiquement 2 fois plus de Grands Prix que Sébastien Vettel en a couru dans sa carrière. Donc voilà, j'ai vu pas mal de choses et j'ai envie d'en discuter avec vous, d'une manière générale, parce que j'ai vu que j'avais quand même pas mal de followers qui étaient fans de F1, et autant faire des talk foot, ça me fait chier d'avance, alors que bon, c'est pareil, c'est une autre grosse passion, mais je sens que le foot, c'est un truc sur lequel ça a beaucoup s'écharpé, et puis le foot me saoule vraiment depuis quelques années. Autant la F1, voilà, c'est une thématique peut-être un petit peu plus fun, assez proche en plus du jeu vidéo sur certains trucs, notamment pour moi qui suis un gros fan de speedrun et puis bon, de Time Attack, hein, forcément. Donc voilà, j'ai envie de vous en parler et je vais essayer de faire le live le moins décousu qui soit. Déjà, c'est simple, ce live, je tente un pari dessus, c'est-à-dire que je tente de le faire depuis ma config PC actuelle pour qu'il soit de la meilleure qualité possible. Et ensuite, on va voir si la mécanique tient, c'est-à-dire que je le fais un peu à la Ferrari, c'est-à-dire je tente la performance et on verra si la fiabilité elle suit, hein, honnêtement. Du coup, bonjour à toutes les personnes qui sont déjà présentes, et je vois qu'il y a des gens en plus d'autres langues. Donc bonsoir Wasabi, bonsoir Miku, hi Simpson, how are you? Bonsoir Pigoloki, bonsoir Jacques et Thibault, bonsoir Paul, bonsoir John, bonsoir Nikumanga, ouais, je vous dis bonsoir parce qu'en vrai il est 18h et puis voilà. Bonsoir Mikaelios, bonsoir Pispotik, Buenos dias, Esteban Paella, bienvenue à Saki. Le son de ma voix est trop fort, il faut que je baisse le son de ma voix peut-être par rapport au jeu. Alors le but du jeu, j'ai dit par rapport au jeu, vous voyez ça, c'est de la déformation pro, je vais certainement très régulièrement faire une erreur à ce niveau-là et vous parler du volume du jeu au lieu de vous parler du volume de la musique de fond. C'est une musique de fond, le but du jeu, c'est qu'on l'entende juste en fond, histoire qu'il y ait un accompagnement, mais elle n'est pas du tout là pour être écoutée à un niveau vraiment, elle est juste là pour accompagner. Bonsoir Cyrus et merci pour ton follow également. Bonsoir Tino, bonsoir Thunder. Bonsoir tout le monde. Oui, ça tire les balles sur Ferrari. Alors, l'objectif de ce live, ça va être de faire un react vraiment au Grand Prix qui a eu lieu.
Non, Paul Serret. Alors, Paul Serret, j'ai pas fait de pub dans le chat F1. J'ai oublié, tout simplement. Voilà. C'est quoi? Je vais juste faire un petit message quand même pour dire aux gens, ouais, tiens, allez, je suis en live, venez voir ça. C'est vrai que je suis pas trop fan forcément de faire des pubs un peu partout, mais je vais effectivement aller le signaler. Voilà. Et du coup, ouais, donc ce live, en fait, je voudrais le structurer, comment dire, dans un premier temps, en vous faisant un petit rappel quand même de d'où me vient ma passion pour la F1, quel type de fan de F1 je suis, qui je supporte, qui éventuellement je n'aime pas, parce que bon, bah, je pense que c'est quand même toujours important de savoir sur quel point un streamer, un créateur de contenu, peu importe, peut être potentiellement biaisé vis-à-vis de telle écurie ou de tel pilote, parce qu'on l'est toujours forcément. Hein. Quand on est fan d'une discipline sportive, on a toujours forcément nos chouchous et nos têtes de turc. Je pense que c'est normal, entre guillemets. Ce qui est important, c'est essayer de rester le plus objectif possible. Par exemple, c'est vrai que à un moment, Hamilton avait fini par me saouler et j'ai accueilli avec beaucoup de soulagement, entre guillemets, le fait que Verstappen gagne le titre en 2021. Pas du tout par haine ou rejet de Hamilton ou quoi que ce soit, mais juste parce que ouais, j'avais envie de voir la jeune garde prendre la relève. J'aurais aimé que ça se passe dans d'autres circonstances, parce que oui, malgré tout, la fin de la saison 2021 reste très controversée et restera toujours. Bien que pour moi, Verstappen méritait ce titre pour d'autres raisons. Mais bon, ça, à la rigueur, on en fera un débat une autre fois. Je pense que c'est le genre de truc, même à froid, dans 2 ans, on en reparlera toujours de la même façon. Ça sera, tout le monde va encore s'écharper. Bienvenue Coach Bat et merci pour le follow au passage. Mais du coup, ouais, moi je vais, dans un premier temps, je vais essayer de pas trop raconter ma life, même si je sais que les gens qui aiment bien mes lives du dimanche matin aiment m'écouter raconter ma life. Je vais juste essayer de vous expliquer, voilà, brièvement pourquoi je kiffe la F1. Donc moi je suis de 86, donc je suis né une année de titre de champion français, déjà, c'est très bien. Je suis né l'année du deuxième titre d'Alain Prost. Et bah, mes parents, eux, étaient, alors sans juste dire que c'était des fans hardcore, c'était quand même des gens qui aimaient la F1 parce qu'ils étaient allés voir plusieurs Grands Prix. Je sais qu'ils étaient allés voir un Grand Prix à Dijon, alors pas le fameux de 79 avec Arnoux et Villeneuve, mais je sais plus quelle année, mais dans ces eaux-là. Mes parents suivaient vraiment beaucoup la F1 à la fin des années 70, début 80. Et ils ont été au fameux Grand Prix de Monaco 82, celui où le leader a changé 3 fois dans le dernier tour et qui était qui est un des Grands Prix les plus rocambolesques qui soit. Et c'est vrai que bah, du coup, même s'ils avaient un tout petit chouïa à arrêter de suivre quand je suis né, peut-être parce qu'on bah, voilà, ils avaient besoin de plus s'occuper de moi et tout ça. Je sais pas exactement pour quelle raison, mais vers 95, ils s'y sont remis. Et je crois que le truc qui a fait le déclencheur chez eux, c'est peut-être la mort de Senna, parce que comme bah, ils ont vu Senna à ses tout débuts, qu'après ils ont un petit peu lâché, même s'ils savaient que c'était quand même un des plus grands pilotes, je pense que ça a dû faire un choc qui a dû leur donner envie de voir qu'est-ce que devenait la F1 finalement. Et bah, c'est courant 95 que j'ai commencé à regarder ça avec eux. En plus, voilà, moi j'avais 8 ans, j'avais mes petites voitures, il y en avait certaines, c'était des F1. Il faut savoir pour l'anecdote que la seule fois de ma vie où je me suis rendu sur un Grand Prix de F1, c'était en 92 à Monaco. On habitait à Nice avec mes parents à l'époque et on a été aux essais libres ou au qualif, je sais pas, de Monaco. Ce qui veut dire techniquement que j'ai vu Ayrton Senna de mon vivant, mais j'en ai aucun souvenir. Je me souviens surtout du bruit et de l'odeur de l'essence. C'est surtout ça qui m'avait marqué. Je me souviens pas du tout d'avoir été dans les gradins. Je me souviens plus par contre d'avoir marché dans Monaco. Je me souviens notamment d'un endroit, et alors c'est marrant parce qu'en me rappelant de l'endroit où j'ai marché, ça ressemble à Mirabeau, sauf que bon, je vois pas comment on aurait pu marcher là-dedans alors que le week-end de Grand Prix avait lieu. Mais voilà, j'ai des souvenirs assez flous à ce niveau-là, mais ça reste mon premier contact avec la F1. J'ai joué sur le PC portable pourri de mon père qui lui servait pour le taf à l'époque, un jeu de F1 un peu, je sais même pas s'il y avait une licence ou pas. J'ai eu des petites voitures comme tous les gamins de mon âge, à l'effigie de Ferrari, de McLaren, de Benetton, de Williams, tout ça. Mais c'est en 95, voilà, qui a lancé ma passion et mon intérêt. Et je pense que comme toute personne qui commence à développer une passion, bah vous avez une espèce de repère auquel vous vous raccrochez. Et moi, bah forcément, j'ai vite compris qu'on avait un Français qui était en mesure de gagner des Grands Prix. Et coup de bol, en plus, il en a gagné un cette année-là, qui en plus conduisait pour Ferrari.
Moi, j'avais 9 ans, hein. Enfin, pas tout à fait 9 ans, c'était journalisme, gagné le Grand Prix du Canada, je crois, 3 semaines avant mes 9 ans. Mais le raisonnement était très bête du haut de mes 9 ans, c'est une Ferrari en Formule 1, c'est forcément la meilleure voiture. Parce que les Ferrari sont des voitures de luxe qui sont censées aller vite. Donc en F1, si les autres, elles sont motorisées par Renault, par Ford, par Mercedes, tout ça, la Ferrari est forcément meilleure. Moi, j'avais ce raisonnement de gosse qui pensait que le pilote français avait la meilleure voiture, que donc c'était lui qui allait gagner et que c'était bah, du coup c'était devenu mon chouchou par défaut. J'ai immortalisé ça, hein, j'ai depuis très très longtemps. Ça, c'est la Ferrari d'Alesi avec le célèbre V12 de comment ça s'appelle de 95, donc avec le numéro 27 en plus. Petit hasard en plus, le numéro culte de Ferrari de l'époque de GV9 jusqu'à Alesi, c'était le numéro 27. Moi je suis né un 2 juillet, donc 2-7. Je suis très attaché aux chiffres et à leur symbolique, et c'est vrai que bah, du coup j'ai développé un attachement en plus au numéro 27 sur une Ferrari à cause de ça. Je rêve de voir un pilote porter le numéro 27 à nouveau sur une Ferrari un jour, ça serait vraiment chouette. Et bon, actuellement, le pilote qui est détenteur du numéro 27, entre guillemets, légalement vis-à-vis du règlement de la F1, c'est Nico Hülkenberg. Et Nico Hülkenberg, je ne vois pas trop dans quelles circonstances il pourrait se retrouver dans une Ferrari, donc on n'est pas prêt de le voir. Maintenant, ce qui est cool, c'est que Leclerc, alors je ne sais pas si c'est en 2024 ou en 2025, mais a dit qu'il prendra le numéro 7, qui sera disponible lorsque à la période entre guillemets, de carence suite au retrait de Raikkonen sera terminée. Moi déjà je serais content de voir le numéro 7 parce que bon, ça reste mon chiffre fétiche. Mais tout ça pour dire que voilà, moi là, le premier coup de cœur que j'ai eu c'était pour Alesi sur Ferrari et c'est vrai que le fait qu'il ait gagné le Grand Prix du Canada 95 ça a pas mal aidé. En plus, bah ouais, je m'étais pris d'attache pour lui parce qu'il avait un peu la poisse. Honnêtement, vous regardez la saison 95 d'Alesi, ça ressemble beaucoup pour l'instant à la saison 2022 de Leclerc. C'est assez similaire, c'est assez ouf. Bonsoir, sorcier malgache, au passage. Après ce live F1, tu d'autres lives comme du débrief d'actu politique? Jamais. Non, je pense vraiment que la F1, c'est le seul truc hors sujet que je ferai sur ma chaîne. Mais. Ah, sorcier, c'est bon, tu dis, j'ai jamais vu de F1, mais quand j'étais gosse, mes parents m'ont emmené à Arras au départ du Paris-Dakar pour voir Johnny qui participait cette année-là. J'ai été à un départ de Paris-Dakar, mais c'était celui qui était à Marseille en 2002. Et j'ai une photo de moi avec Jean-Louis Chesser, d'ailleurs, qui à l'époque bah, était l'un des gros favoris du Dakar. Je crois qu'il l'a gagné d'ailleurs de 3 ans. Mais du coup, ouais, suite à ça, je suis jamais retourné sur un Grand Prix de F1. Je suis allé voir alors, les autres sports mécaniques que j'ai vus, je suis allé deux fois aux 24 heures du Mans. Je suis allé au Grand Prix de Pau à l'époque où on habitait au Pays Basque avec mes parents, le Grand Prix de Pau de Formule 3. La F3 à l'époque, c'était pas du tout la troisième discipline qui était organisée comme division junior de la F1. Ça n'avait rien à voir, c'était vraiment quelque chose d'assez différent, même si techniquement il y avait des jeunes brillants en F3 qui ont fini en F1 après. Mais il n'y avait pas cette organisation similaire où les Grands Prix, enfin les week-ends de Grand Prix, on retrouvait F1, F2, F3 en même temps. C'était très très différent. Mais du coup, ouais, donc, je m'étais pris d'affection pour Alesi. Et honnêtement, la passion pour la F1, ça a été instantané. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça kiffant en fait, de voir des voitures rouler vraiment à un rythme ahurissant sur des circuits, chercher la meilleure performance, chercher le meilleur temps en qualif, chercher à se dépasser en course, prendre des risques. Moi, je kiffais le simple fait qu'il y ait un Grand Prix en sachant que bah il y avait donc à l'époque 24 pilotes, puisqu'à la fin de la saison 95, il n'y avait plus que 24, et donc 24 pilotes sur la grille. Et honnêtement, même si forcément il y avait quand même des favoris, avoir aucune idée de qui allait être le vainqueur à la fin, aucune idée de qui allait être sur le podium, hein, parce qu'on avait vraiment, vraiment pour le coup, à l'époque, beaucoup plus de casse mécanique, beaucoup plus d'accrochage. La saison 95, c'est une saison où on a eu vraiment apparemment des très très grosses surprises et des podiums très inattendus. Vous regardez le classement global de l'année, vous regardez des podiums comme le Grand Prix du Canada justement, le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix d'Australie, il y a des trucs mais invraisemblables, des trucs qui pourraient plus produire. Imaginez, le Grand Prix d'Australie, c'est comme si Verstappen gagnait avec 2 tours d'avance sur Magnussen et sur Tsunoda 3e, en gros. C'est quasiment comme si on voyait un truc pareil. Alesi spécialiste du gravier, pas tant que ça en fait. Les Guignols, ils avaient popularisé l'image d'Alesi spécialiste du gravier, mais quand on y réfléchit, Alesi avait quand même beaucoup la poisse. Alors oui, ça lui arrivait de sortir de la piste, mais Alesi a surtout eu un sacré paquet de casse mécanique. Après, je pense que c'était peut-être un pilote qui ménageait pas beaucoup sa monture, honnêtement. Mais voilà. Et du coup, bah, la passion ne m'a jamais quitté. À partir de là, j'ai suivi absolument toutes les saisons avec un intérêt énorme.
J'ai collectionné les petites voitures miniatures, comme celle que je vous ai montrée, parce que donc je vous ai montré cette fameuse Ferrari, je crois que c'était 412 qu'elle s'appelle, celle de 95. Et j'ai eu 60-70 modèles similaires à un moment. J'en ai quand même revendu pas mal, mais il m'en reste. Et je voulais juste vous en mettre une en avant, c'est parce qu'on parle de gens, allez-y. Et puis parce que les sponsors vont rappeler des choses aux fans de F1 qui regardent la Formule 1 aujourd'hui. C'est celle-ci, c'est la voiture qui conduisait au Grand Prix d'Argentine en 98. Donc c'était quand il était chez Sauber. Donc Sauber, c'est l'écurie qui est devenue Alfa Romeo ensuite. Alors j'aurais bien aimé que la mise au point se fasse, ça aurait été sympa pour que vous puissiez la voir. Mais elle a donc ces fameux ailerons qu'on voit sur le côté qui sont un peu chelous, qu'ils avaient appelés des pingouins. Et ce qui est marrant, c'est que ces sponsors, c'est littéralement Red Bull et Petronas. Donc c'est-à-dire, c'est le sponsor titre de l'écurie dominante en ce moment, et Petronas qui est le sponsor titre de l'écurie qui a tout dominé sur les précédentes années. Mais c'était une équipe de milieu de tableau à l'époque, hein. Sauber, c'était du même niveau qu'Alfa Romeo aujourd'hui. Ça faisait parfois un podium par saison. C'est une écurie qui n'a jamais gagné de Grand Prix, qui n'a jamais fait de pole, qui a peut-être fait un meilleur tour à un moment, et qui a une tripotée de podiums sur des Grands Prix où il y avait de la casse, où c'était un peu le bordel. Vraiment une écurie d'outsider qui n'a jamais été en mesure de gagner un seul Grand Prix. Ce qui est terrible d'ailleurs, c'est quand ils se sont fait racheter par BMW en 2006, BMW a réussi à faire une pole et à gagner un Grand Prix, et quand c'est redevenu Sauber, lorsque BMW s'est retiré, ils ont à nouveau plus rien gagné. Mais voilà, donc c'est la F1, j'ai toujours suivi ça comme un gros feuilleton en fait, où voilà, il y avait à l'époque 16-17 Grands Prix par saison, puis c'est monté à 18, puis 20, puis maintenant 22-23. Et il y a toujours voilà, ce suspense, ce côté, contrairement à notre sport, rien n'est joué jusqu'au dernier tour. On a vu plusieurs fois le leader d'un Grand Prix abandonner au dernier tour. C'est arrivé beaucoup de fois. Et parfois sur une casse mécanique, parfois sur une erreur de pilotage, sur un coup de malchance. C'est imprévisible la Formule 1 à ce niveau-là. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce sport. Parce que c'est ce qui s'y passe est vraiment improbable. Même si on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments où honnêtement on se faisait chier, il y a eu beaucoup de processions interminables où on s'emmerdait, j'ai jamais réussi à vraiment m'en défaire. Et au moment où vraiment j'ai le moins aimé, je regardais quand même les Grands Prix tous les week-ends. Même en tant que fan de Ferrari au début, j'ai fini par être un peu saoulé de la surdomination de Schumacher à un moment. Ça n'a pas empêché. En fait, globalement, j'ai jamais vraiment aimé quand un pilote surdominait. J'avais vraiment envie de voir des changements en fait dans la hiérarchie. J'ai toujours eu, je trouve ça bien pour l'histoire, qu'il y ait des grands champions comme ça qui à un moment soient vraiment au sommet de leur art et qui explosent tout. Mais en fait, j'aime bien quand ça s'arrête et surtout j'aime bien quand c'est remis en question, si vous voulez. Je n'ai pas envie forcément que le champion ultra dominateur arrête tout d'un coup. Moi, j'ai juste envie qu'il y ait une grosse baston. Et c'est pour ça que la saison 2021, pour moi, c'était un modèle du genre parce que Hamilton était ultra dominateur. On ne voyait pas qu'il pouvait l'arrêter. Le plus proche d'Hamilton, pour moi, ça a été pendant plusieurs années, c'était Vettel avec Ferrari. Et il a tenu la distance pendant, on va dire, deux tiers de la saison avant de lamentablement s'effondrer sur la fin. C'est là aussi qu'on a vu la force d'Hamilton et de Mercedes en tant qu'équipe. Vraiment, là, cette capacité à rester au top toute la saison et à très peu douter, faire très peu d'erreurs. Mais il y a eu vraiment le challenger avec Verstappen et Red Bull en 2021 qui est venu vraiment casser cette dynamique. Un peu comme Alonso en 2005 avec Renault. Ça m'y a un petit peu fait penser aussi parce qu'à l'époque on sortait quand même de 5 titres consécutifs de Schumacher. Bon, la Ferrari 2005 était vraiment un tank pour le coup. Schumacher ne pouvait pas du tout lutter pour le titre avec cette voiture. Mais ouais, c'était vraiment des années voilà, qui m'ont confirmé pourquoi je surkiffais ce sport et pourquoi j'arrivais à ne jamais m'en lasser en fait tout simplement. L'époque Rosberg ça a été génial, mais malheureusement Rosberg était un mec qui n'avait pas envie de se faire chier à lutter longtemps. Après voilà, il était déjà, faut pas oublier, hein, sa dernière saison, on a l'impression qu'il passait si longtemps à F1, mais en vrai il a fait 11 saisons quand même. Hein. Il a fait 11 saisons et voilà, il estimait qu'il avait atteint son rêve, c'était d'être champion du monde. Il n'a pas voulu plus. Et il y a des gens, voilà, ils sont comme ça, hein, ils estiment qu'ils ont atteint leur rêve et ça va pas plus loin. Donc voilà, ça c'est pour vous faire un peu le background et pourquoi je veux vous parler de F1 aujourd'hui. Et maintenant aujourd'hui, je veux qu'on vous parle donc de ce fameux Grand Prix de France qui s'est tenu aujourd'hui et qui est pour le coup un Grand Prix quand même assez particulier parce que
C'est un circuit qui est souvent redouté par les fans qui savent que c'est pas le Grand Prix qui, enfin, le circuit qui propose les Grands Prix les plus passionnants de la saison. C'est un circuit, quand il est revenu au calendrier, on était surtout content parce que la France revenait au calendrier, mais pas spécialement content que ce soit sur le Paul Ricard. Je vous le dis tout de suite, je fais partie des gens qui n'aiment pas le Paul Ricard. Je trouve que c'est un circuit Alors déjà, esthétiquement, j'ai du mal avec ce circuit. En fait, vu du haut, vu du ciel, il est ouf. Mais dès qu'on est à hauteur de piste, j'ai pas expérimenté ce que c'est de me rendre sur place. J'aurais peut-être dû le faire parce que maintenant ça va peut-être devenir compliqué. Mais j'ai quand même l'impression que c'est vraiment, vraiment. C'est pas agréable et ça n'a pas l'air de l'être pour les pilotes non plus. J'ai l'impression que les pilotes, chez eux, ce Grand Prix n'est pas spécialement populaire. Et autant le fan de F1 français que je suis regrettera certainement le départ probable du Paul Ricard du calendrier, enfin du Grand Prix de France du calendrier, mais ne regrettera pas le départ du Paul Ricard du calendrier. Bon, Magny-Cours, c'était pas non plus la folie. Hein. En France, je pense qu'on a certainement les meilleurs circuits que Magny-Cours ou le Castellet. Il y a eu une très très bonne vidéo du pit stop F1 qui a fait hein, justement une espèce de tour d'horizon de tous les circuits qu'il y avait eu pour le Grand Prix de France dans l'histoire. Et il y a dans le tas probablement des circuits plus intéressants. J'aimerais bien un jour voir la F1 tenter l'expérience du Mans. Le problème du circuit de Dijon, c'est qu'il est, je pense, très vieillissant, il y aura tout à retaper, et puis il est très 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 court. On ferait des tours, c'est encore plus court que Spielberg à ce niveau-là. Mais bon, ça, on va y revenir un peu plus tard parce que je veux faire un aparté spécial. Quel est l'avenir du Grand Prix de France? Dans un premier temps, je veux déjà qu'on parle de ce Grand Prix. Donc, ce Grand Prix, sauf rebondissement et disqualification dans la demi-heure qui a suivi, mais je ne crois pas parce que sinon vous me l'auriez dit. Donc, Grand Prix qui a été gagné par Verstappen avec une bonne dizaine de secondes d'avance sur Hamilton et Russell, troisième, donc qui a vraiment arraché sa troisième place à Pérez dans un très très beau duel, même si il y a eu quelques. Comment dire, quelques moments qui étaient voilà, un peu moyens entre eux. Sainz, le cinquième, qui est le driver of the day plus que légitime de ce Grand Prix. Et puis après, donc on a littéralement les Alpine et les McLaren qui ont fait la course entre elles, carrément pour la quatrième place du général. Et ensuite, les deux Aston Martin avec Stroll qui a gardé le point de la dixième place dans des circonstances que je trouve un peu limite. Mais bon, ça c'est pareil, je ferai un bilan pilote par pilote et j'y reviendrai. Le grand absent évidemment du classement général de ce Grand Prix à la fin, c'est forcément Leclerc. Charles Leclerc, donc, il a prouvé une fois de plus que c'était vraiment un poleman d'exception. C'est un pilote qui est extrêmement fort sur un seul tour. En plus, il a bénéficié pour le coup d'un bon coup de pouce de Sainz parce qu'il savait qu'ils avaient un gros déficit sur la ligne droite par rapport à Red Bull en termes de perf. Et pour le coup, bah, ils ont très très bien joué. Ils savaient que Sainz de toute façon partirait loin et que ça servait à rien de qu'il se qualifie bien parce que bon bah, il était vraiment là pour aider Leclerc à choper la pole. Ce qu'ils ont très bien fait. Et bah Leclerc en est déjà, et je trouve ça impressionnant, il en est à 16 pole positions dans sa carrière. Sur les 16, il y en a quand même 15 qui ont été cueillis sur deux saisons, donc sur les saisons 2019 et 2022. L'année dernière, il y en a eu deux, c'était assez miraculeux, surtout celle de Bakou. On n'a jamais compris en vrai comment il l'a faite, parce que lui-même trouvait que son tour était pas ouf, hein, on a un souvenir. Leclerc, c'est l'anti-Raikkonen, ouais, c'est un peu l'inverse. Effectivement, Raikkonen, c'est un pilote qui faisait rarement des poles, par contre, qui était beaucoup plus performant en rythme de course. D'ailleurs, Leclerc est toujours, Raikkonen est toujours le troisième pilote avec le plus de meilleurs tours de l'histoire de la F1. C'est assez incroyable. Mais vraiment, Leclerc est le grand absent de ce classement. Il aurait très certainement fini premier ou deuxième au Grand Prix. De toute façon, c'est la saison 2022 ressemble beaucoup à la 2021 dans le sens où Verstappen et Leclerc sont programmés pour être un et deux à tous les Grands Prix. Comme l'étaient Hamilton et Verstappen l'année dernière. Les Grands Prix où ils n'ont pas fini 1 et 2 sont des Grands Prix où un des deux a eu clairement un souci. Si vous regardez bien, vous enlevez tous les abandons mécaniques que se tapait Verstappen en début de saison, puis Leclerc plus tard, et les soucis stratégiques aussi que Leclerc a dû subir à Monaco, à Silverstone, la perte de performance aussi que Verstappen a subi à Silverstone. Vous enlevez tout ça, ils sont 1 et 2 à chaque fois. Je ne vois aucun Grand Prix cette saison qui aurait pu être remporté par un autre pilote que Verstappen ou Leclerc s'il ne leur était rien arrivé. Il n'y a pas en fait pour moi un Grand Prix qu'un autre pilote aurait pu gagner à la régulière. Les victoires de Pérez et de Sainz sont dues à des circonstances favorables pour eux. Pérez gagne à Monaco parce que Ferrari fait n'importe quoi au niveau de la strat. Sainz gagne à Silverstone parce que Verstappen a un problème qui lui fait tourner pratiquement une seconde et demie moins vite au tour. Et parce que Leclerc est défavorisé au niveau de la strat. Et ça, on cherche toujours à comprendre trois semaines après qu'est-ce que Ferrari a foutu. En dehors de ça, tous les Grands Prix doivent être gagnés soit par Verstappen, soit par Leclerc.
Je ne sais pas s'il y en a un qui doit en gagner plus que l'autre, si vraiment on remet tout à la régulière, mais de toute façon, pour moi, il faut un 2 sur quasiment tous les Grands Prix, c'est pratiquement indéniable. Peut-être pas Imola. Imola, clairement, Leclerc pouvait pas faire mieux que P3, visiblement. Mais sinon, ouais, c'est clairement. Et inverse d'ailleurs avec Spielberg, on a senti que Verstappen allait clairement perdre la P2 au profit de Sainz si son moteur n'avait pas explosé. Maintenant, qu'est-ce qui a conduit l'abandon de Leclerc? Parce que moi, quand j'ai vu sortir, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, c'est vraiment, mais le mec, il a une scoumoune infinie. Évidemment, après, il faut quand même s'inquiéter de qu'est-ce qui lui est arrivé. Parce que une sortie de piste comme ça, mine de rien, c'est que la deuxième de sa saison en course. La première, il avait réussi à minimiser la casse, il avait pété son aileron, il était reparti. Le couteau entre les dents, il avait réussi à grappiller 3 places pour arracher une 6e place, mais c'était quand même assez moyen. Hein. Je pense qu'il espérait mieux que ça. Là, pour le coup, on a eu l'impression, dans un premier temps, que parce qu'il se plaignait donc de sa pédale d'accélérateur, j'ai pas compris sur le coup s'il s'en plaignait parce qu'elle était restée coincée et du coup il n'arrivait pas à faire marche arrière après avoir tapé les pneus, parce que visiblement le choc avait pas l'air énorme. J'ai l'impression qu'il pouvait peut-être repartir en marche arrière et rentrer au pit pour faire changer son aileron. J'ai eu cette impression dans un premier temps, je ne sais pas si c'est le cas. Maintenant, dans sa déclaration, il a été très humble. Maintenant, je pense qu'il y a un peu de politique aussi derrière. Il a clairement pris ses responsabilités sur cet abandon, il a dit que c'était de sa faute, tout en disant quand même qu'il n'arrivait pas trop à comprendre ce qui s'était passé et qu'il verra avec les data exactement qu'est-ce qui s'est produit et pourquoi il est sorti de la piste. Mais à ce niveau-là, il a clairement, je pense, quand même commis une erreur qu'il a assumée. Maintenant, est-ce qu'il a eu un frein de pédale d'accélérateur au moment de vouloir faire une marche arrière? Ça, c'est, on ne sait pas. Est-ce que la pédale d'accélérateur a déconné à nouveau, comme à Spielberg? Si elle a déconné à quelque moment que ce soit, il y a quand même du coup quelque chose qui ne va pas, encore une fois, du côté de chez Ferrari, parce que ça veut dire qu'une pièce qui était incriminée lors du précédent Grand Prix et qui a failli du côté de la victoire lui a de nouveau gâché une course, mais là avec des conséquences beaucoup plus lourdes, parce que sur ce Grand Prix, il perd au minimum 18 points. Vraiment, comme je le dis, pour moi, ce Grand Prix, il finissait deuxième dans le pire des cas, et il perd encore 18 points, voire peut-être 25. Donc il se prend un 25-0, là où il aurait pu prendre un 25-18, voire même mettre un 25-18 à Verstappen, et se retrouver avec à peine une victoire de retard avant Budapest, ce qui aurait vraiment été extrêmement pratique, hein, finalement, juste avant la pause estivale. Là, on est dans une situation où Verstappen est sûr de rester leader avant la pause estivale, et je crois même qu'il est sûr de rester leader après Spa. Il a une avance de plus de 2 victoires, et même s'il y avait une course sprint, pardon, entre les deux, je crois qu'il resterait leader quand même. Je crois qu'il a quelque chose comme 63 ou 64 points d'avance. C'est phénoménal. Il a une avance qu'il n'a jamais eue sur Hamilton l'année dernière. Et je ne sais pas qui est le dernier pilote dans l'ère avec le barème actuel à avoir perdu le championnat après avoir mené par 63 points d'écart. Je crois pas que ce soit déjà arrivé, hein. Et pourtant, il y en a qui ont eu des grosses avances, qui les ont gâchées, mais plus de l'ordre de 35-40 points, je pense. Bienvenue, Minouz. J'ai pas une fin de saison Vettel 2018 après l'Allemagne. Ça peut y ressembler, effectivement. Alors, regardez la P4, j'irai peut-être pas jusque-là. Maintenant, effectivement, se concentrer sur la P2, le vrai problème, c'est le retour d'Hamilton qui est assez impressionnant. Je parlerai des pilotes, hein, vraiment individuellement plus tard quand je ferai mon bilan, mais si on regarde le classement général, je vais quand même juste vous montrer ce classement général parce que je pense que c'est très important de montrer à quoi il ressemble actuellement. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser ce classement officiel du... comment il s'appelle? De Wikipédia. Alors je vais juste essayer de vous le caser correctement. Alors déjà oui, il faudrait que déjà je remette comme il faut. Voilà, là c'est mieux. Ce classement, donc c'est ça, il a 63 points d'avance. 63, c'est le numéro de George Russell d'ailleurs. Leclerc a dit un truc très important. Il a estimé combien de points il avait perdu par sa faute. Il n'a pas pointé du doigt Ferrari du tout. Il a estimé qu'il avait perdu, je crois, 32 points. Donc, il a évidemment compté son erreur d'Imola où il passe de 3e à 6e. Quand vous êtes 3e, vous marquez 15 points. Quand vous êtes 6e, vous en marquez 8. Donc, il a perdu 7 points. Il considérait donc qu'aujourd'hui, il aurait dû gagner ce Grand Prix. Donc, c'est-à-dire qu'il a perdu 25 plus 7. Lui, il estime qu'il a perdu 32 points cette saison. Donc, Verstappen étant sur une autre planète à Imola, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Leclerc aurait juste eu les points de la 3e place au-dessus de la 6e. Par contre, aujourd'hui, ça aurait un peu inversé la donne puisque Verstappen aurait été 2e.
Si vraiment Leclerc raisonne comme ça veut dire que dans l'état actuel des choses, sans ces deux erreurs, Verstappen devrait avoir du coup donc 7 points de moins, c'est-à-dire 226, et Leclerc 192. Ça reste un écart quand même important. Ça resterait 34 points, ce qui n'est pas rien. Mais c'est quand même malgré tout un écart qui serait encore moins grand s'il n'y avait pas eu toutes ces casses mécaniques et toutes ces erreurs de stratégie. Leclerc a eu par contre, je pense, la clairvoyance de ne pas pointer du doigt les erreurs de Ferrari qui ont été nombreuses, et elles ont encore été nombreuses aujourd'hui. Parce que si Ferrari n'a peut-être rien à se reprocher dans l'abandon de Leclerc, c'est possible, actuellement on ne le sait pas et je ne vais pas spéculer là-dessus, ils ont foutu en l'air le podium de Sainz. Et ça, c'est un fait. Sainz a été élu Driver of the Day. Il a fait une course splendide. Parce que le Castellet, c'est un circuit où globalement, il n'est pas forcément évident de dépasser quand vous êtes vraiment en lutte avec une voiture à performance égale. Mais pour remonter, effectivement, c'est pas le pire circuit de la saison où changer un moteur. C'était clairement à éviter à Budapest, hein, parce que Budapest, dans une semaine, on sait que c'est un circuit où il est vraiment difficile de doubler, même avec une ligne droite qui est un peu plus longue qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Même cette ligne droite avec le DRS, c'est pas évident de se retrouver vraiment dans la bonne aspiration au début. Donc ouais, bon choix, effectivement, de lui changer son moteur ici, parce qu'on savait qu'il allait remonter. Et globalement, c'était assez évident qu'il ferait un top 6, probablement, parce qu'on a compris très très vite que Mercedes était relativement dans le coup sur ce Grand Prix, et que le top 6, il allait être très 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 clairement défini. Maintenant, Sainz, grâce à la safety car déployée à cause de l'abandon de Leclerc, a pu s'arrêter peut-être plus tôt que prévu, chausser des médiums et partir sur une course encore plus d'attaque finalement, parce que tout le monde est reparti en hard. Tous les autres partaient en hard, pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé la course en médium. Sainz, lui, justement, il a fait son début de course en hard parce que son but c'était de remonter et de s'arrêter le plus tard possible une fois qu'il avait remonté un max de gens. Finalement, donc il passe les médiums peut-être un peu tôt pour aller au bout de la course. La première erreur stratégique de Ferrari, mais celle-là, à la rigueur, je vais quand même leur taper dessus parce que c'est une erreur grossière. Mais dans la panique de la valse d'arrêt qu'il y a eu sous safety car avec beaucoup de monde, ils le font ressortir donc trop tôt sous le nez de l'Alpine qui est obligé de piler comme c'est pas possible et on est à deux doigts d'un accrochage. Alors, certes, à faible vitesse, qui je pense n'aurait pas eu de graves conséquences, il n'y aurait pas eu d'accident, de débris projetés à haute vitesse sur comment dire, des mécaniciens ou quoi que ce soit, mais ça aurait quand même été vraiment un problème gravissime et Ferrari serait encore plus passé pour des bolosses si Sainz s'était accroché avec l'Alpine. Je ne sais pas si c'était l'Alpine d'Alonso ou d'Ocon, je pense que c'était celle d'Alonso puisque c'était le pilote qui était derrière lui au classement à ce moment-là. Enfin bref, ce qu'on appelle donc une unsafe release dans le jargon est totalement imputable à Ferrari. Je trouve toujours aussi inadmissible que le pilote soit pénalisé de 5 secondes pour une erreur qui est du fait de son écurie. Le pilote, lui, je sais même pas dans ses rétros s'il voit quelque chose au moment où il repart avec tous les mécaniciens. Je suis même pas sûr qu'il puisse voir le fait qu'il y a une voiture qui arrive à distance. C'est vraiment le rôle de son staff, du staff des stands, de lui dire tu peux partir maintenant. En l'occurrence, là, ils l'ont fait partir à un moment où clairement c'était pas safe et c'est leur faute, c'est vraiment leur faute à eux. On a échappé au pire parce qu'ils auraient clairement pu s'accrocher lui et l'Alpine et se mettre out tous les deux. Et là, ça aurait vraiment été le zéro pointé pour Ferrari en l'espace d'un tour. Mais en fait, le problème, Max, ce que tu dis, c'est qu'il faut pénaliser le pilote quand même. Je suis à moitié d'accord parce que si on pénalise le pilote, ça veut dire qu'on estime que le pilote a une responsabilité là-dedans. Je ne sais pas du tout, hein, je vous dis, j'ai pas l'impression, moi, que les pilotes dans leur rétro, ils voient quoi que ce soit. Faut pas oublier qu'ils sont une quinzaine autour d'eux quand ils font un arrêt. Ils ont une visibilité vraiment de merde à ce moment-là. Et ils comptent vraiment sur leur équipe, sur ce qu'on appelle l'homme à la sucette, hein, celui qui lève le panneau pour lui dire c'est bon, tu peux y aller, pour dire c'est bon, c'est safe. Ce mec-là, s'il est là, c'est en partie pour ça aussi, parce qu'ils ont besoin de lui pour donner un top départ. Donc, oui, il faut qu'il y ait une pénalité pour Ferrari, ça c'est sûr. Maintenant, voilà. Alors oui, ça coûte, effectivement, ça coûte il faut que ça coûte des points à l'écurie. Maintenant, ce qui peut être fait, on a vu des cas où des points étaient donnés à des pilotes, mais l'écurie se voyait retirer les points attribués sur un Grand Prix. On a déjà vu ça par le passé, pour des irrégularités. Pourquoi pas, dans ce genre de cas, faire un retrait de points à l'écurie, mais pas au pilote à la fin de la course? C'est une sanction que je trouve toujours assez injuste quand vraiment le pilote n'y est absolument pour rien. En plus, est-ce qu'il tire vraiment un avantage de ça? C'est des arrêts au stand qui sont très lents sur le Castellet. Je suis pas convaincu franchement qu'il gagne tant que ça à repartir
une seconde derrière, surtout qu'on est sous safety car. En plus, si on est sous safety car, il serait peut-être reparti exactement à la même place. Le risque pris pour moi est stupide. Vraiment, il est stupide. Donc, bon, de toute façon, il y a pénalité. Voilà, c'est le règlement. Le règlement, il est comme ça. Hein. À partir du moment où le règlement est comme ça, la pénalité pour Sainz, elle est entre guillemets logique parce que c'est comme ça que c'est inscrit dans le règlement de la F1. Si vous faites une unsafe release, c'est le pilote qui trinque. Donc, à partir de là, bah, c'est à quelle conséquence il s'expose. Et alors, ça, c'est vraiment très drôle. On poursuit la disaster class de Ferrari sur ce Grand Prix au moment où l'ingénieur radio dit à Sainz qu'il a un stop and go de 5 secondes. C'est improbable parce que le stop and go, c'est vraiment un type de pénalité d'un autre âge. Je ne suis même pas sûr que ça existe encore. Hein. C'est-à-dire qu'il y a. Enfin, si, je crois qu'il y a eu des. Si, il y avait eu un stop and go d'Hamilton en 2020 à Monza, le Grand Prix que Gasly gagne. C'est parce que justement Hamilton a eu un stop and go de 10 secondes d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'était pour être entré dans les stands quand la voie était fermée. Donc ça existe encore, mais c'est très rare. Et en l'occurrence, là, le stop and go n'était pas. La pénalité à attribuer, parce que bon, bah, la pénalité à attribuer en cas d'une safe release, c'est 5 secondes. Mais alors donc, on a ce moment lunaire où donc le lingé de Sainz lui dit « t'as un stop and go de 5 secondes » et Sainz lui dit « mais alors vraiment, il dit le plus poliment du monde que non, il dit de la merde. » C'est-à-dire « non, c'est pas un stop and go, c'est 5 secondes. » C'est lunaire comme moment. C'est-à-dire vraiment qu'à ce moment-là, on a un pilote qui est en train de rectifier son ingénieur à la radio pour lui dire « mec, tu dis n'importe quoi ». Donc déjà que Ferrari se tape une réputation de clown depuis quelques Grands Prix, si en plus le pilote lui-même corrige son ingénieur sur un truc sur lequel l'ingénieur est censé être rigoureux, sur lequel il est censé lui apporter une information exacte, le pilote à ce moment-là est quand même dans sa bulle, il est en train de conduire, il est en train de prendre des risques maximaux pour remonter, et il a la lucidité de dire à son ingénieur « non, c'est pas un stop and go ». C'est ouf. Bon, alors déjà, un, ça prouve que Sainz, il suit vraiment bien la course, il connaît bien les règlements, et ça c'est cool. Mais c'est quand même effrayant pour le coup qu'on ait une situation comme ça qui se produit. Parce que là, vraiment, pour le coup, je trouve que c'est la réputation de Ferrari sur ce coup-là ne s'arrange vraiment pas. Parce que ça fait longtemps qu'on se fout de la gueule de Ferrari, qu'il y a ces mèmes qui passent avec le stand Ferrari, ils sont tous grimés en clown, ou alors Binotto grimé en clown. Mais c'est vrai que globalement, on ne sait pas trop qui sont ces gens de l'ombre. Chez Ferrari, on connaît Binotto, on connaît Laurent Métiès, on connaît éventuellement l'ingénieur de Leclerc et de Sainz, mais on ne sait pas trop qui sont tous ces gens qui œuvrent à la stratégie, qui discutent entre eux. Là, on a vraiment un mec à la radio qui se fait humilier par son pilote, vraiment, qui se fait rectifier, et ce n'est pas la seule fois où c'est arrivé. Bienvenue au passage aux nouveaux followers, bienvenue à Auré870, bienvenue Dopamine, ça fait très très plaisir de te voir ici, coucou à toi. Bienvenue Fire Nuoxide également. Mais ouais, ça, il y a tout à changer en fait dans le pit wall Ferrari, c'est effrayant. Et il y a eu une deuxième, il y a encore eu deux situations problématiques avec Sainz ensuite, mais une deuxième liée à son ingénieur. Sainz, suite à ça, il y a le couteau entre les dents, il fait une remontée impressionnante. Pour moi, il fait un des plus beaux dépassements de la saison dans l'extérieur de signe sur Russell. Ce dépassement est absolument incroyable parce que on n'est pas dans la situation qu'on avait vu à Silverstone où Leclerc fait un dépassement. Bon, déjà d'ontologie, encore une fois extérieur dans Cops sur Hamilton. Je pense sincèrement qu'Hamilton, à ce moment-là, sait qu'il reste des tours, que Leclerc, de toute façon, ses pneus vont vraiment se dégrader et que, autant qu'il le laisse faire l'extérieur, c'est pas grave, il le bouffera plus tard. Et d'ailleurs, ça s'est passé, je crois, à peine un tour plus tard. Hamilton, pour moi, il n'a pas défendu parce qu'il savait que, de toute façon, Leclerc, c'était un baroudonneur ce qu'il faisait. Russell, en l'occurrence, lui, est dans une situation où il défend chèrement sa place parce qu'il sait que s'il fait bouffer ses pneus à Sainz derrière, Sainz n'arrivera plus à le dépasser. Sainz, il est sur des médiums qui vont clairement s'entamer beaucoup plus vite. Russell, en plus, il a un bon rythme dans ce Grand Prix. On l'a bien vu d'ailleurs, vu la façon dont il a rattrapé Perez après. Russell, c'est dans son intérêt, vraiment, de maintenir Sainz derrière lui. Et Russell, il défend chèrement sa place, vraiment. Et Sainz, il y va à l'extérieur, dans une des courbes les plus rapides de la saison. Bon, je trouve que Signe est un virage très surcoté, personnellement, parce que ça reste un virage à plat, qui, avec les F1 modernes, a l'air d'être quand même extrêmement simple à prendre à fond. C'est pas comme si le mec avait fait un extérieur à pleine vitesse à Poulon, à Spa, par exemple. Mais ça reste quand même un très 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 beau dépassement parce qu'il y a la niaque de Sainz qui entre en ligne de jeu là-dedans. On voit que c'est un mec qui en veut. On voit que c'est un mec qui, pour le coup, veut aller chercher ce podium qui est à sa portée à ce moment-là. Et donc son dépassement est sublime. Et après, il y a la baston avec Pérez où c'est pareil. Il va aller chercher Pérez dans des circonstances absolument improbables. Hi Sparks, how are you? Just dropping in to say hello and good luck on the stream. Thank you. More Formula One rated content is always good.
Yeah, I really hope people are appreciating this one because I'm really looking forward to doing it a bit more in the future. D'ailleurs, j'espère que ça vous plaît bien pour l'instant ce petit talk F1. Moi, je suis content de faire ça avec vous et je serais très content de le reproduire si ça vous plaît. Là, pour l'instant, voilà, c'est vraiment une formule d'essai. J'essaierai d'améliorer le truc après. Je verrai aussi comment potentiellement intégrer des images ou des extraits en fonction qui est autorisé parce que, bon, en tant que Twitch partner, je vais faire gaffe à ce que je montre quand même. Mais voilà. J'espère que je réagis assez à ce que vous dites aussi, hein. Signe, ça serait plus drôle si on arrivait avec une vingtaine de kilomètres en plus. Alors oui, Signe, effectivement, a quand même un problème, c'est que la chicane au milieu de la ligne droite du Mistor, enfin, elle est pas vraiment au milieu, elle est plus, on va dire, aux deux tiers de cette ligne droite. Cette chicane, elle est mal placée pour arriver à Signe vraiment à fond, parce qu'il y a quand même une forte décélération dedans, et on voit bien, ils arrivent à 280, 290 quand ils arrivent à Signe. Ils pourraient vraiment, pour le coup, arriver ouais, à 320, 330. Là, le virage serait assez oufissime, effectivement. Maintenant, voilà, ça reste un dépassement sublime, mais je vais revenir sur ce qui se passe après, parce que pour moi, le deuxième moment très chaud de cette course, après donc l'abandon de Leclerc et le merdier qui a suivi dans les stands, c'est la passe d'armes. En fait, c'est tout ce qui implique Sergio Pérez, qui pour le coup d'ailleurs, et j'y reviendrai sur mon bilan pilote par pilote, m'a rarement autant déçu que sur ce Grand Prix. Pourtant, c'est un pilote que j'adore, Checo, mais alors là, vraiment, il a fait de la merde de bout en bout. Le deuxième dépassement sur Pérez. Sainz, déjà, il va vraiment le chercher parce que Pérez a pas de rythme. Mais Pérez a zéro rythme sur ce Grand Prix, c'est impressionnant. Et pour le coup, à ce moment-là, c'est une évidence. Si Pérez ne bloque pas trop salement, Sainz va clairement le passer. Par contre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ferrari a décidé qu'on ferait un deuxième arrêt. Alors oui, ça se tient parce qu'il est en médium et il reste encore 12-13 tours, un truc comme ça. Évidemment, on ne peut pas savoir à ce moment-là si la dégradation des pneus du côté Sainz, on ne peut pas savoir quel va être le rythme de Pérez et de Russell. Mais vu comment il avait mis à l'amende Russell et vu comment il commençait à s'échapper, et au moment où il revient sur Pérez et il le double, on sent très bien qu'il va mettre plusieurs secondes rapidement à Pérez. Sainz, pour moi, c'était l'homme le plus rapide vraiment en piste aujourd'hui. C'est normal, c'est celui qui avait le plus de légitimité à attaquer. Verstappen n'a jamais eu besoin d'attaquer une fois que Leclerc était out. C'est le problème de Verstappen, c'est qu'il a gagné beaucoup de Grand Prix cette année assez sereinement, sans avoir à forcer, parce que son rival n'était plus là. Vous regardez Bakou, vous regardez Barcelone, vous regardez encore aujourd'hui, c'est des Grands Prix, il les gagne dans un fauteuil parce que le deuxième est beaucoup trop loin de lui. Il n'a pas à prendre de risques. Verstappen, il peut gérer sa course, il n'a pas à s'inquiéter de devoir faire un deuxième pit stop, il peut gérer ses pneus, c'est la voie royale pour lui. Et de toute façon, tous les champions du monde ont gagné des Grands Prix comme ça. C'est comme en foot, on dit souvent, ils n'arrêtent pas de gagner 1-0 ou 2-1, mais c'est ce brin de réussite souvent qui fait les champions. La réussite, tout le monde en a plus ou moins dans une saison sportive, mais forcément, c'est quasiment mathématique, celui qui a le plus de réussite, c'est celui en général qui gagne à la fin. C'est un petit peu souvent comme ça, parce que le plus talentueux en général gagne, mais celui qui a le plus de réussite, c'est très très probable qu'il gagne aussi. Et souvent, c'est le même. Prenez ça sur les pneus, les chronos par tour. Alors c'est un truc, ça fait partie de ces trucs que j'essaierai d'améliorer pour plus tard, effectivement. Je vais pas vous mentir, comme je suis sur un setup qui est assez limité, je suis toujours sur un PC dont j'espère qu'il va pas crasher en plein live. Il y a beaucoup de data que j'ai pas forcément noté, mais ça fait partie effectivement des trucs que je pourrais améliorer sur un prochain live pour vous montrer pas mal de petits détails. Mais du coup, ouais, donc il y a ce moment où une deuxième fois l'ingénieur de Sainz fait pour moi une connerie, mais alors là c'est vraiment une connerie, c'est-à-dire autant le coup du stop and go, bon, c'est à la rigueur marrant, même si ça le fait passer pour un con, mais dire à Sainz box box alors qu'il est en train de se battre à couteau tiré sur la piste avec Pérez, et Pérez c'est pas un tendre, c'est un pilote qui a toujours défendu très limite, ça s'est amélioré avec les années, mais on se rappelle à l'époque de Force India, il a eu de Racing Point, il a quand même eu des défenses qui parfois étaient très limites, c'est un pilote qui est toujours à la limite du correct, c'est un très grand pilote, vraiment pour qui j'ai beaucoup d'estime et je suis hyper heureux qu'il soit dans un top team. Mais c'est un pilote qui vraiment défend parfois un peu salement Pérez. Et sur Sainz, il était très 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 limite. Et au moment où Sainz a besoin de la concentration maximale, vraiment, où il faut que personne le fasse chier, là il y a son ingénieur qui dit box box. Alors déjà, un, c'est pas le moment pour box, il est en train probablement de le doubler. Et deuxièmement, mais tu dis pas ça à ton gars pendant que t'es dans cette portion sinueuse où il y a une Red Bull qui est en train de slalomer devant de façon pas très 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 claire. Finalement, Sainz, il a le bon move, il arrive à le piéger, il fait une espèce de mini dive bomb dans le dernier virage. Bon, Pérez, on sent qu'il était à l'agonie, qu'il avait vraiment eu
donné tout ce qu'il pouvait en termes de défense sur la section sinueuse, mais il pouvait vraiment plus. Mais c'était clairement pas le moment. Vraiment, là, il n'y avait absolument pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu m'as fait un petit habillage, sorcier malgache, voyons voir ça. J'aime beaucoup. La blague du renard, une fraude, Westbot vous dit tout. C'est magnifique. Ouais, non, Raikkonen aurait pété un câble, clairement. Raikkonen, sur cette situation-là, en radio, il aurait pété... Je me demande même si Sainz a pas dit, Jimmy Alone aussi, d'ailleurs. Hein. Je me demande s'il a pas dit la même chose que Raikkonen. Mais Raikkonen, bon, il a envoyé chier son ingénieur à un moment où, franchement, il y avait pas lieu d'être méchant. Son ingénieur, bon, il a eu une info qui, c'est vrai, est un peu useless, mais à un moment où il est seul en piste et, entre guillemets, il se bat juste contre son chrono. Pour le coup, Sainz, vraiment, c'est un moment où il faut lui foutre la paix. Je sais pas, imaginez que... bon, l'enjeu n'est pas le même, mais imaginez que comment ça s'appelle ? Au moment où Verstappen est en train de se battre à Silverstone au premier tour avec Hamilton, son ingénieur lui parle, c'est complètement con, c'est un moment... L'ingénieur, il est censé quand même être capable de se dire, bon, là, je lui fous la paix, parce que vraiment, c'est pas le moment d'intervenir, faut pas que je déconcentre, faut pas qu'il sorte, faut pas qu'il s'accroche avec Perez. Bon, ça, c'est pour moi le... Je pense que c'est vraiment peut-être le truc le plus con que Ferrari ait fait de tout Grand Prix, parce que c'est clairement le moment où je pense qu'ils ont commis l'erreur la plus dangereuse potentiellement. L'unsafe release, où il peut s'accrocher avec l'Alpine, c'est à faible vitesse, je pense que c'est pas grave s'il s'accroche, je pense qu'il se passe rien de grave derrière. Là, vraiment, ils sont quand même dans une situation de bataille où si jamais Sainz se déconcentre, il s'accroche avec Perez, il peut y avoir beaucoup de dégâts mécaniques, les deux pilotes out, c'est vraiment stupide. Et puis donc arrive la fin, le point d'orgue de donc ce que j'ai appelé cette disaster class, c'est de décider d'arrêter Sainz une deuxième fois. Je dis pas que c'est une mauvaise idée de l'arrêter une deuxième fois, dans le sens où ses pneus, effectivement, auraient très 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 certainement été en très mauvais état à la fin de la course. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Sainz, il a quelque chose comme... il a autant en fait de vie sur ses pneus que les autres, mais effectivement, il est en médium, donc lui, il est quasi sûr que ses pneus n'iront pas au bout. Le problème, c'est qu'il a un rythme de fou, Sainz. Il avait chopé le meilleur tour, il était remonté assez vite quand même hein, sur Russell et Perez avant de buter un peu dessus, mais il y passe à la régulière. Ce qui est très important en plus, c'est qu'il a réussi à les passer tous les deux sans le DRS. Et ça, c'est quand même génial parce qu'il a fait deux dépassements clean dans des portions où il n'y a pas de DRS. Et rien que pour ça, c'est classe. Alors, sur... Russell, il est aidé par le fait que le DRS lui permet de se rapprocher beaucoup à la chicane et d'avoir leur accélération vraiment dans l'aspiration de la Mercedes. Mais c'est vraiment deux dépassements à l'ancienne sans DRS dans des sections où en plus on a rarement vu des dépassements au Castellet. Donc vraiment pour le coup, Sainz, c'est... Autant il y a une disaster class de Ferrari, autant il y a une master class de pilotage de Sainz. Je pense que Sainz, on l'a beaucoup raillé sur pas mal de trucs. J'ai moi-même estimé que sa victoire à Silverstone, c'est qu'il n'a clairement pas gagné le Grand Prix qu'il méritait le plus de gagner. Ça aurait été mieux que sa première victoire en F1 soit un autre Grand Prix. Il a fait des Grands Prix vraiment, pour le coup, un peu anonymes, voire minables parfois. Mais c'est pour moi un des meilleurs Grands Prix de sa carrière. Il a été impressionnant. Et donc, après cet épisode du box-box, il est devant Perez. Il a un tour complet pour mettre une grosse distance sur Perez. Et c'est le moment vraiment de voir si, effectivement, il n'a pas trop entamé ses médiums et s'il peut faire plusieurs tours d'affilée en mettant plusieurs secondes à Perez. Puisque Perez, à ce moment-là, est encore quatrième, encore devant Russell. Et Ferrari n'en décide de l'arrêter. C'est con parce qu'on ne saura jamais s'il avait moyen de distancer Perez, alors que les intermédiaires prouvaient clairement qu'il allait le faire. On ne sait pas du tout combien de temps ses pneus auraient tenu. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il allait finir cinquième dans le pire des cas. Parce que s'il s'échappait et qu'il devait faire un arrêt dans les tout derniers tours, il aurait mis tellement d'avance à Alonso de toute façon qu'il serait ressorti devant. Donc dans tous les cas, il aurait fini 5 dans le pire des cas. C'était complètement con, en fait, pour moi, d'arrêter Sainz, en tout cas aussitôt. Il était fortement probable qu'au bout de 6-7 tours d'attaque pour distancer Perez, ses pneus se dégradent, qu'il commence à perdre du rythme et qu'ils se disent « Ouais, bon, bah, on est obligé de pit ou alors bah, tu tentes d'aller au bout, mais bon, bah, les deux autres vont finir par doubler. » Mais je trouve qu'ils l'ont vraiment joué petit bras. Parce qu'il y avait clairement quelque chose à tenter pour aller chercher ce podium. Ça aurait été un podium absolument héroïque, ultra mérité, qui aurait fait beaucoup de bien à Ferrari. C'est le troisième Grand Prix, je crois, seulement sans podium pour Ferrari cette saison. Parce qu'il y a eu Barcelone, il y a eu Bakou. Je vais vérifier parce que j'ai un doute, mais ouais, je crois que c'est seulement le troisième Grand Prix, il n'y a pas de...
Ah bah il y a Imola aussi, évidemment il y a Imola. Donc ouais, c'est le quatrième Grand Prix sans podium, mais pour le coup, autant à Barcelone il était hors du coup, il n'aurait pas jamais pu aller chercher la troisième place, mais là vraiment, vraiment cette troisième place je pense était à sa portée. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne saura jamais, parce que Ferrari n'a pas laissé la possibilité à Sainz de s'exprimer, ils n'ont pas laissé tirer parti de ses gommes à un moment où vraiment il aurait pu ne plus avoir le moindre trafic devant lui. Je suis même quasi sûr qu'il aurait rattrapé Hamilton. Je dis pas qu'il l'aurait passé, mais je pense qu'il serait revenu dans les échappements d'Hamilton sur la fin. Mais on le saura jamais. Du coup, il a dû faire ce deuxième arrêt, pour moi prématuré. Évidemment, la cinquième place, c'était une formalité parce qu'il allait juste, entre guillemets, devoir doubler les McLaren et les Alpine, qui étaient clairement sur un rythme très inférieur. Là, pareil, en plus, ils le ressortent en médium une deuxième fois. Vu qu'il restait 10 tours, je me suis dit, tiens, ils vont peut-être tenter les softs, mais même pas. Bon, après, il y a peut-être plus de train de soft de dispo pour Sainz. Quoique techniquement, ils ont dû en économiser en Q3, hein, vu que Sainz en Q3, il a servi juste à faire aspiration pour Leclerc. Je pense pas qu'ils aient gaspillé un train de soft à ce point-là en qualif. Donc ouais, pour moi, vraiment, vraiment gros... comment dire, gros gâchis de Ferrari à ce niveau-là. Bon, ils s'en sortent avec le point du meilleur tour et le Driver of the Day, c'est bien, c'est honorable. Reste que, là je regarde l'écart au classement, je vous remets quand même parce que je trouve que c'est assez impressionnant, là vous devez le voir normalement, l'écart entre Ferrari et Red Bull est supérieur à l'écart qu'il y a entre Ferrari et Mercedes. Il y a 82 points d'écart entre Ferrari et Red Bull, il n'y en a que 44, le numéro d'Hamilton, tiens, entre Mercedes et Ferrari. Il y a quasiment le double d'écart entre Ferrari et Mercedes qu'il y a entre Ferrari et Red Bull. C'est-à-dire que là où Ferrari était un petit peu revenu depuis... parce que honnêtement, sur les précédents Grands Prix, ils grappillaient des points. À chaque fois, ils n'en grappillaient pas assez parce que vraiment, on voit à Montréal, ils font 2 et 5 contre seulement 25 points pour... comment dire, pour... donc c'est misérable, hein. Je crois qu'ils ont gagné... ils ont pris donc 19 plus 10, ils ont pris 29 points contre 25 au Canada. Ils ont pris... pour moi, Silverstone, c'est le plus gros gâchis parce que vraiment, Perez ne doit jamais finir 2. Hein. Il doit faire 1-2, Perez 3 et donc Verstappen 7. Et l'Autriche, c'est pareil, il doit faire 1-2 normalement avec Verstappen 3ème. Donc ils grappillaient des points, mais jamais assez. Et là, ils en reperdent énormément d'un coup parce qu'ils ne marquent que 11 points sur ce Grand Prix. Là où Red Bull en prend beaucoup, et encore ils auraient pu en prendre plus si Perez n'avait pas complètement fait de la merde sur sa fin de course. Moi je sais pas ce que vous en pensez, c'est le point sur lequel je vais rebondir après, mais j'ai eu l'impression que ce Grand Prix de France a vraiment beaucoup dessiné la hiérarchie de ce qu'est cette saison de F1. Il y a des circuits comme ça qui sont souvent considérés comme un révélateur des performances de la saison. On pense beaucoup à Barcelone, forcément, parce que c'est le circuit sur lequel ont lieu les essais hivernaux. Et puis c'est vrai que c'est une espèce de circuit un peu, j'allais dire polyvalent, façon de parler, mais c'est le circuit où, comme on dit, si vous êtes bon à Barcelone, vous êtes bon partout. Mais le Castellet, j'ai toujours vu un peu comme ça. D'une manière générale, les circuits qui sont un peu ennuyeux sont des circuits justement qui sont des bons révélateurs de la hiérarchie. Et on a vu vraiment sur ce Grand Prix qu'il y avait un top 5 au niveau des écuries, très clair, très clairement dessiné, assez bien nivelé aussi, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment que Red Bull, Ferrari et Mercedes qui revenaient dans le coup étaient largement devant, que Alpine et McLaren avaient un niveau très similaire et que le reste c'était loin, mais alors vraiment loin. C'est-à-dire qu'on a bien compris depuis quelques temps que Alfa Romeo n'est vraiment plus dans le coup, c'est très inquiétant d'ailleurs, je trouve, les pertes d'Alfa Romeo depuis quelques Grands Prix. On a bien compris que As, ça dépendait des circuits. Il y a des circuits où ils vont être potentiellement 4e ou 5e force du plateau, d'autres où ils vont être complètement à la rue. Donc As, c'est imprévisible. Et je pense qu'il va y avoir encore un ou deux Grands Prix d'ici la fin de la saison où As va peut-être nous faire un double top 8. Hein, c'est pas à exclure. AlphaTauri n'est jamais là, nulle part, où que ce soit. Et Aston Martin a cette capacité à toujours aller arracher une 10e place, on ne sait pas comment. C'était eux la 6e meilleure écurie de ce Grand Prix. Mais s'il n'y avait pas eu l'abandon de Leclerc, ils auraient fini aux deux places du con, hein, 11 et 12. Et voilà. Et puis Williams, bon, Williams c'est vraiment, est vraiment loin, même si Albon collectionne les 12e, 13e places depuis le début de la saison, parce qu'il a vraiment un bon rythme en course. Et on sait qu'il peut aller chercher encore quelques points, je pense, d'ici la fin de la saison, dans des courses où les circonstances le permettent. Alors là, je vois Jacques et Thibault qui prend un pari, qui dit Mercedes finira devant au constructeur. Je m'en inquiète un peu. Je m'en inquiète vraiment un peu. Parce que franchement, Mercedes, en fait, la perf commence à être là, vraiment.
En Autriche, c'était pas trop ça, mais ils arrivent. En fait, même quand dans des Grands Prix où la perf fait pas là, ils arrivent à faire 3 et 4. C'est incroyable. Hein. On l'avait vu, bon, à Bahreïn, ils avaient du bol. En Australie, ils faisaient 3 et 4. Là, ils ont fait 3 et 4 à Bakou parce que les deux Ferrari étaient plus là. Ils ont fait 3 et 4 au Canada. Là, aujourd'hui, ils font carrément 2 et 3. C'est le meilleur résultat de Mercedes cette saison. C'est la première fois qu'ils montent sur la deuxième marche du podium. Parce qu'ils avaient fait beaucoup de podiums. Hein. Ils avaient déjà fait 7 podiums depuis le début de la saison, mais toujours 3e. Là, clairement, bah, ils se sont positionnés. En fait, ils ont tiré parti de l'abandon de Leclerc et de l'absence totale de rythme de Pérez et du fait que Sainz était loin. En fait, les trois pilotes qui sont censés être devant eux ont eu des infortunes diverses et ils en ont profité. Mercedes est très solide cette saison. C'est-à-dire qu'ils ont une voiture qui n'arrive pas à avoir le rythme pour gagner un Grand Prix. Ou se mettre à la lutte, surtout se mettre à la lutte pour la pole. La pole, pour moi, Mercedes n'en aura aucune cette saison. Je vois, à moins d'un Grand Prix où il y a de la pluie pendant les qualifs et qu'Hamilton sort un de ses tours, donc il y a le secret sous la pluie, je ne vois pas comment ils peuvent avoir une pole cette saison. Par contre, gagner un Grand Prix, ça reste toujours pas à exclure parce qu'ils ont un rythme de course incroyable, ils sont toujours bien placés. Les rares Grands Prix qui ont été catastrophiques pour Mercedes, c'est Monaco où ils font 7 et 8, c'est Miami où ils font 6 et 8. Non, attendez, je suis en train. Non, attendez, je. Si, si, c'est ça, ça. Non, Miami, ils font 5 et 6, pardon. Monaco, 5 et 8, voilà. Et surtout, ils n'ont aucun abandon. Ils n'ont aucun abandon. Il n'y a que deux pilotes qui finissent hors des points sur 12 Grands Prix. C'est-à-dire que sur 24 arrivés dans les points possibles, ils en ont 22. C'est l'accrochage de Russell au départ à Silverstone. Et c'est sûr et certain, il aurait fini dans les points vu le rythme qu'avait Mercedes. Et par contre, c'est la. Le désastre d'Hamilton à Imola, où vraiment c'est un des pires Grands Prix de sa carrière, il reste bloqué toute la course derrière Gasly sans rien pouvoir faire, il n'a pas de rythme, c'est une catastrophe, il finit 13e alors que Russell est lui vraiment dans le coup. La régularité de Mercedes est incroyable. J'ai rarement vu une écurie incapable de gagner être aussi régulière sur une saison, c'est impressionnant. Je serais pas surpris qu'Hamilton finisse la saison sans aucun abandon, parce que vraiment sa voiture est méga fiable. Mercedes, c'est l'inverse absolu de Ferrari, on a l'impression qu'ils ont privilégier de ouf la fiabilité au détriment de la performance. Et bah au final, ça équilibre beaucoup les choses. C'est-à-dire que Ferrari a fait des coups d'éclat incroyables. Ils ont 4 victoires. Ils ont fait seulement un seul doublé alors qu'ils auraient pu en faire plus. Ils ont mené énormément de tours. Il ne faut pas oublier que malgré les résultats du Grand Prix d'aujourd'hui, Leclerc a mené quasiment autant de tours que Verstappen. Il doit y avoir quoi, 30 tours d'écart entre eux. Mais voilà, la fiabilité n'est pas là du tout. Et en plus, les pilotes font des erreurs. Hamilton, malgré tout, malgré le spleen qui s'est tapé en début de saison, ne fait pas d'erreur. C'est-à-dire que Hamilton, il a rangé son frein, il a fait des courses vraiment moyennes, surtout en début de saison, mais il ne fait pas d'erreur. Hamilton, si vous regardez bien, ses erreurs de pilotage, elles sont minimes. C'est une petite sortie au virage 2 tout à l'heure au Paul Ricard. C'est peut-être une chicane coupée de temps en temps sur un freinage trop tardif, mais globalement, ses erreurs sont minimes. La seule erreur manifeste d'Hamilton cette saison, c'est en qualif à Spielberg, et c'est très dommage parce que c'est probablement un des moments où sa voiture était le mieux. Il aurait pu vraiment faire une très belle qualif, et bon, il arrive à finir de façon troisième, un Grand Prix qu'il aurait, je pense, mis troisième, même en s'étant qualifié troisième. Mais c'est ouais, c'est la seule erreur qu'il fait, et c'est une erreur extrêmement rare de sa part. Hamilton, le voir sortir comme ça en qualif, et en plus dans un bac à gravier avec les pneus derrière où il peut même pas repartir, c'est très très rare. Ferrari, il y a plus de 3 circuits cette saison où ils sont favoris, tu dis Max, et c'est assez vrai. Clairement, il y a Budapest et Singapour. Le troisième, je ne sais pas trop trop forcément auquel tu penses, parce que peut-être. Ah, en vrai, là où je serais curieux de les voir, c'est Suzuka. Parce que Suzuka, c'est vrai qu'on n'a pas vu de course à Suzuka depuis très longtemps. Et Suzuka, même s'il y a une portion très très rapide à la fin, avec bah après Spoon jusqu'au 130R, où c'est vraiment une portion qui d'ailleurs est impressionnante, le reste, c'est quand même beaucoup d'enchaînements de courbes. C'est un circuit effectivement qui pourrait peut-être être favorable à Ferrari. Je pense aussi que Zandvoort est un circuit qui peut quand même être pas dégueulasse pour Ferrari non plus. J'ai très peur par contre de la branlée qui se prenne à domicile face à Red Bull à Imola, à Imola, à Monza. Mais ouais, donc, le problème c'est que voilà, des circuits vraiment qui sont typés Ferrari, il n'en reste plus des masses. En plus, si on se rappelle du carnage de 2017, on sait qu'ils sont aussi capables de foutre en l'air des circuits qui sont pour eux. Singapour 2017, en tant que fan de Ferrari, reste un trauma incroyable. Parce que on parle souvent de Hockenheim 2018 pour les moments où Ferrari a tout foutu en l'air. Bon, c'est Vettel qui fout tout en l'air lui-même comme un grand, d'ailleurs, ce jour-là. Mais pour moi, le moment vraiment le plus dramatique de l'histoire de Ferrari depuis dans l'ère hybride, c'est Singapour 2017. Le fameux sandwich avec Max, c'est-à-dire que
Pour vous situer le contexte, les gens qui ne regardaient peut-être pas forcément la F1 à ce moment-là, parce que voilà, vous regardez la F1 depuis je sais pas quand et ça me regarde pas, hein, vous êtes fan, que vous regardez la F1 depuis 2020 ou depuis 95, je m'en fous, vous êtes fan de F1, c'est tout ce qui compte. Mais c'est un Grand Prix où je crois. Attends, je vais vérifier le nombre de points exact pour pas dire de conneries, mais pour moi, Ferrari a la possibilité de repasser devant Mercedes au titre pilote, enfin dans le classement pilote et constructeur à la fin de Singapour s'ils font bien les choses. Vettel à ce moment-là est en lutte avec, avec Hamilton et comment il s'appelle, Ferrari est à la lutte avec Mercedes. Et Singapour est un Grand Prix où Mercedes est complètement à la rue. Je crois qu'il se qualifie genre 5 et 7, un truc comme ça. Non, 7ème c'était Alonso, je me rappelle, parce qu'Alonso justement pensait qu'il était en mesure de jouer le podium à ce Grand Prix. Et la première ligne, c'est 100% Ferrari. Non, c'est Vettel en pole devant Verstappen et Raikkonen 3ème. Et le départ a lieu sur une piste détrempée parce qu'il a plu à Singapour, tout le monde part en intermédiaire. Ça me faisait rêver de voir un Grand Prix de F1 en ville de nuit sous la pluie. Je me suis dit, c'est probablement le chaos le plus absolu qui va régner. Et effectivement, ça a été le chaos absolu, mais alors pas celui que je voulais. Et ça a été l'illustration d'à quel point Hamilton est un pilote qui a une réussite incroyable. C'est-à-dire qu'Hamilton, il savait que c'était un Grand Prix à la régulière, jamais il le gagnerait et qu'il ferait même pas de podium. Il avait parfaitement compris que les Ferrari et Prost Verstappen étaient inatteignables sur ce Grand Prix. Et au départ, qu'est-ce qui se passe ? Raikkonen prend un départ relativement canon et en fait il coince Verstappen entre lui et Vettel, mais je sais pas ce que branle Raikkonen, mais il se rabat en fait sur Verstappen qui du coup va cogner Vettel. Il prend vraiment Verstappen qui n'y peut rien du tout en sandwich entre les deux Ferrari alors qu'il n'y a pas besoin. Et donc Raikkonen et Verstappen partent tous les deux en travers dans le dégagement du premier virage. Alonso se fait harponner au passage alors qu'il n'a rien demandé. On se dit, bon, au moins Vettel a l'air de pouvoir s'en être sorti. Et pendant que les caméras sont en train de s'attarder sur Verstappen qui est en train de sortir de sa voiture, on voit que Vettel est littéralement à l'envers sur la piste. C'est-à-dire qu'il est. Il fait face à tous les autres pilotes qui arrivent avec l'aileron avant pété. Et au moment où il fait donc son spin pour repartir, on voit que son flanc est complètement explosé, qu'on voit le moteur, ça fume, enfin on sait déjà qu'il va abandonner. Et du coup, qui est en tête à ce moment-là ? Bah Hamilton, qui n'a absolument rien demandé, et tous les mecs devant lui se sont dit « Bon allez, vas-y, on sacrifie tout. » Imaginez un Grand Prix aujourd'hui où Verstappen se qualifierait 5ème, où Leclerc est en pole, Hamilton 2ème, Sainz 3ème, Sainz fait un super départ, et il balance Hamilton sur Leclerc et les trois sont out et Verstappen se retrouve premier. C'est ce qui s'est passé et on s'est dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont branlé ? Je vais vous dire exactement quel était le classement du championnat du monde après le Grand Prix précédent. C'est ça, Vettel avait 3 points de retard sur Hamilton avant ce Grand Prix. Et Ferrari, alors Ferrari avait quand même 62 points de retard sur Mercedes, mais c'était un Grand Prix où il pouvait mettre un 43-20 facile à Mercedes. Vraiment, Mercedes n'était pas du tout dans le coup. Ferrari pouvait se relancer pour le titre constructeur et Vettel pouvait reprendre la tête du championnat avec pas mal d'avance. Vettel n'a plus jamais mené le championnat et l'ensemble de la tournée asiatique, comme ça a été évoqué dans le chat, a été une catastrophe. C'est-à-dire que le Grand Prix d'après, je crois que Vettel abandonne au bout de 4 tours un truc comme ça sur un problème moteur. Et en Malaisie, il part dernier. Et il remonte jusqu'à la 4ème place, un truc comme ça, mais bon, bah, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire que l'écart, il est passé de 3 à 60 points en 3 courses. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un peu l'histoire de Ferrari depuis quelques années, tout ça. Et pourquoi je vous disais ça ? Parce que oui, donc j'évoquais la grande fiabilité vraiment impressionnante et le sérieux, la régularité de Mercedes cette saison. Et toutes les conneries que font Ferrari. Effectivement, je ne serais pas du tout surpris de voir Ferrari à un moment peut-être passer devant. Mercedes passer devant Ferrari à ce rythme-là. Que Ferrari continue de gagner plus de Grands Prix que Mercedes. Mercedes est complètement capable de finir deuxième du général sans avoir gagné un seul Grand Prix. C'est très très possible. A bientôt, Dom, merci beaucoup. Et voilà, tu dis, si j'avoue, tous les grands champions ont de la réussite. Vettel à son époque, effectivement, Hamilton et Verstappen cette année. Alors, Vettel, en vrai, la réussite, il l'a surtout à Abu Dhabi 2010. Sur l'ensemble des titres qu'il a eu, pour moi, 2011 et 2013, il n'y a pas besoin de réussite, il est ultra dominateur. J'ai envie de dire, c'est vraiment des années où il n'a absolument pas besoin de chance. Il est largement au-dessus de tout le monde, sa voiture est sur un rail. Je trouve même que le Vettel 2011 est un champion
plus ennuyeux que Hamilton ne l'a jamais été. Même les titres qu'Hamilton a eu entre guillemets le plus facilement n'ont jamais été acquis avec autant d'avance que Vettel en 2011. 2011, c'est impressionnant. Et 2012, sa chance entre guillemets, c'est d'éviter la catastrophe au tout dernier Grand Prix parce que vraiment, il a failli avoir une poisse sans nom. Hein. Faut pas oublier que Vettel, le titre 2012, il est à deux doigts de le perdre sur un coup de poisse, vraiment. Donc il n'a pas, pour moi, c'est pas un titre qui vole. C'est juste dommage parce que pour la légende, c'est vrai que je vous ai pas trop parlé de mes chouchous, mais moi Alonso, c'est mon pilote favori actuellement sur la grille. Alonso, c'est presque une idole pour moi. J'estime que c'est le pilote le plus mal récompensé en termes de palmarès de l'histoire de la F1, encore plus qu'un Nigel Mansell, je trouve. Et le titre 2012, j'aurais aimé pour l'histoire, pour qu'on continue de disséquer ce titre des années après, j'aurais aimé qu'Alonso soit champion 2012. 2010, c'est dommage, mais 2010, c'est déjà une erreur stratégique de Ferrari qui lui coûte le titre. Et il avait une voiture qui pouvait jouer le titre. Mais 2012, il a probablement la quatrième ou cinquième meilleure voiture du plateau et il joue le titre jusqu'à la dernière course. Il finit la saison en n'ayant gagné aucun des 7 ou 8 derniers Grands Prix. Et pourtant, il est en mesure d'aller gagner le titre parce qu'il a fini tous les derniers Grands Prix sur le podium. C'était une saison absolument incroyable. Et Vettel, sur ce coup-là, pour moi, n'avait pas spécialement eu de chance. Par contre, le premier titre de Vettel, c'est un titre extrêmement chanceux. Parce que son propre coéquipier et Alonso trouvent le moyen de tous les deux dire « Ok, bah écoutez, non, on veut pas du titre ni l'un ni l'autre, on va te le filer. » C'est incroyable. Vettel, dans une configuration normale, ne doit jamais gagner le titre 2010. L'année où Alonso le gagne n'était pas forcément mérité. Alors, l'année en 2005, je pense effectivement que le pilote, en termes de performance pure, qui méritait le plus le titre, c'était Raikkonen en 2005. Raikkonen, c'est un peu Leclerc 2022, hein, c'est-à-dire c'est une cascade d'abandons et de problèmes. Alors que, mais je me demande s'il gagne pas plus de grands prix qu'Alonso cette année-là d'ailleurs. Je sais que McLaren gagne plus de grands prix chrono, ça c'est sûr. Je crois qu'il gagne 10 à 8 ou un truc comme ça. Mais je me demande, ou alors ils ont peut-être 7 victoires chacun. Je sais que Montoya a 3 victoires, donc Raikkonen doit en avoir 7. Et Alonso en a peut-être 6 ou 7, je sais plus. Mais c'est un truc de ouf vraiment l'année 2005. Ouais, non, je suis assez d'accord que le premier titre d'Alonso, il est assez, assez chanceux par rapport, par rapport à la malchance de Raikkonen. Il suffit de revoir le Grand Prix au Nürburgring où Raikkonen, au lieu de faire un pit pour assurer une deuxième place, quitte à larguer la victoire, préfère tenter le tout pour le tout avec des pneus qui sont détruits. Et bon, bah, y a l'explosion de sa roue dans cet accident impressionnant dans le dernier tour qui, bah, du coup, le fait passer d'un 10-6, d'un 10-8, pardon, à un 0-10, puisqu'à l'époque, la victoire était à 10 points. Mais ouais, non, c'était assez incroyable. Kimi, il y a tes deux titres faciles. Après, Kimi, un jour... Je devrais vous proposer, parce que si je fais des live F1, je peux vous proposer plein de thématiques, et un jour, j'aimerais bien faire une espèce de Hall of Fame, de quel serait le total de titres pilotes si le titre avait été décerné au pilote qui méritait le plus, surtout vu du dernier Grand Prix. Bon, pour moi, il y en a qu'on changerait. Je persiste à penser que McLaren a complètement sabordé son titre pilote en 2007, que jamais Raikkonen doit être champion. Alors c'est bien qu'il ait un titre parce que c'est un pilote qui méritait d'avoir un titre un jour dans sa carrière, mais pour moi, c'est pas cette année-là qu'il le mérite. On va pas parler de Massa 2008 parce que c'est un coup de couteau dans le cœur. Donc Raikkonen 2005 sans doute, il en 94 peut-être, même si d'un point de vue de fan de Schumacher, on peut aussi penser que Schumacher se fait quand même bien voler un titre qu'il aurait dû gagner 400 courses avant. Il y a plein de titres de F1 comme ça qui auraient pu être décernés à un autre pilote. On peut aussi penser que 2021 aurait pu être pour Hamilton, hein. Il y en a plein comme ça. Mais Massa, ouais, non, Massa 2008, moi j'étais deg, hein, j'étais deg. En fait, j'étais content pour Hamilton parce que pour moi c'était le futur grand talent et je trouvais ça dommage qu'il ait raté le titre pour sa toute première saison alors qu'il, franchement, il le méritait. Mais ouais. Ah, et puis on peut parler de Prost en 88, de Senna en 89, de Senna en 90 aussi. Senna 90, ça reste pour moi incompréhensible qu'un mec qui sort son adversaire délibérément alors que tout le monde le sait ne soit pas déclassé. Schumacher se fait dégager du classement pilote en 97 pour une manœuvre que je trouve moins dangereuse parce qu'à beaucoup plus faible vitesse et qui en plus le fout dehors, juste lui, parce que Senna, il fout Prost dehors, il a réussi son truc à une vitesse très élevée, c'est extrêmement dangereux, c'est pour moi c'est un scandale que Senna ait le titre 90 pour cette raison-là.
Mais oui, il y a quelque chose de très politique. Voilà, il y avait tout le drama autour de Jean-Marie Balestre, le fait que le titre 89 était très très controversé aussi. Hamilton, je sais pas combien on peut lui enlever de titre, parce que pour moi on peut lui enlever le 2008, mais dans ce cas on peut-être lui enlever le 2007. Je vois pas en fait parmi les titres qu'il a eu lesquels on pourrait lui enlever. À la rigueur 2014, mais pff, en vrai en quoi Rosberg mérite plus 2014 que lui, je suis pas sûr. Hein. 2015, 17, 18, 19, 20. Alors 19-20, il a aucun rival. 17-18, le rival principal disparaît à encore 5-6 Grands Prix de la fin de la saison, donc ce que vous voulez. Mais il aurait pu gagner 2007, 16 et 21, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, donc voilà, pour en revenir donc à Mercedes et leur régularité, je sais pas à quel point ils arriveront à rester comme ça, aussi régulier jusqu'à la fin de la saison. Je me doute bien qu'il y aura certainement peut-être un Grand Prix 100, ou peut-être ils finiront 6 et 7, un truc comme ça, mais pour moi, ils ont retrouvé une performance de haut niveau. Ça se voit vraiment à tous les Grands Prix. Ils sont jamais là en qualif. Vraiment, les qualifs, ils n'y arrivent pas. Ça, c'est un fait, je vous dis, hein, pour moi, sur le sec, ils font aucune pole, c'est sûr et certain. Mais en course, vraiment, ils ont un rythme de course qui est incroyable. Absolument incroyable. Hamilton a fait une course extrêmement propre. Je pense qu'à partir du moment où il a compris qu'il ne pourrait pas lutter avec Verstappen, que c'était pas possible, même si Verstappen ne ferait pas de gros efforts pour mettre une distance de ouf, lui, il s'est juste dit, bon, je vais faire gaffe à Perez derrière et éventuellement autour de Sainz. Il a fait sa course, c'était impec. Mais Russell, par contre, Russell que je trouvais un peu dans le dur depuis quelques Grands Prix, Hamilton a repris un peu la mesure de Russell depuis le Canada. Ça fait... Si je dis pas de bêtises, ça fait 4 Grands Prix de suite que Hamilton bat Russell, alors que depuis le début de la saison, il l'avait fait qu'une fois et c'était au tout premier Grand Prix. Au Canada, il y a une stratégie Mercedes qui est en la défaveur de Russell pour la première fois de la saison, il était temps. À Silverstone, Russell se fait sortir au début, mais vu la gueule de la course de Hamilton, je pense qu'Hamilton aurait fini devant. Hamilton a fait son meilleur Grand Prix de la saison à Silverstone. Il aurait gagné ce Grand Prix, ça m'aurait même pas choqué. Vraiment, il aurait pu le gagner, ça n'aurait pas été un scandale. À Spielberg, Hamilton fait une très très belle course, mais Russell est pénalisé aussi, donc on n'a pas trop pu les jauger à niveau égal, je trouve. Ah, salut Manu Max. Ouais, c'est nouveau cette émission, c'est un truc que je veux essayer, parce que c'est vrai que si vous arrivez sur ce live en cours, je suis désolé, j'ai pas forcément remis le contexte pour les gens qui sont tombés dessus. Mais je veux faire des live F1, je veux faire des live react sur les Grands Prix, je veux parler de cette autre passion qu'est la Formule 1. Et du coup, je me teste comme ça pour voir si ça vous plaît. Visiblement, vu qu'il y a une soixantaine de personnes non-stop depuis le début, je pars du principe que oui, ça vous intéresse. Et c'est cool, je suis content de voir que j'ai des fans de F1 dans mes followers, dans mon audience, ça fait vraiment plaisir. Et je le referai très certainement, hein, en essayant de mieux l'organiser, parce que voilà, là c'est le coup d'essai, il y a plein de trucs à apprendre, puis de le mettre mieux en scène aussi. Hein. Puis bon, une fois que mon PC sera sera en meilleure santé, je pourrais prendre plus de risques aussi sur la réalisation. Là vraiment, je fais en sorte que le PC tienne, je mets même pas mon retour pour être sûr que ça ne lui fasse pas un flux vidéo supplémentaire à gérer. Oui, pour l'instant ça va, la mécanique tient, pas comme une Ferrari. Je suis en train de me jinx là, c'est une énorme erreur. Mais oui, et Russell, il a fait un truc par contre que j'ai trouvé génial dans ce Grand Prix. C'est-à-dire que, comme je vous dis, bon, dans le dur, façon de parler, parce qu'il fait quand même une saison remarquable pour une première saison chez Mercedes, il n'est pas impossible que finalement sur la durée il se fasse passer par Hamilton sur la saison, ce que j'aurais jamais cru hein, au bout de 5-6 Grand Prix. Mais je pense qu'Hamilton est en mesure vraiment de le passer. Mais par contre, là où il m'a impressionné, c'est la façon dont il a géré le cas de Perez. Bienvenue tout et merci pour le follow. Le moment où il s'est retrouvé derrière Perez, Perez, vraiment, j'insiste, hein, n'avait pas de rythme sur ce Grand Prix. Il finit quatrième, mais je trouve que c'est un des plus mauvais Grand Prix qu'il ait fait depuis qu'il est chez Red Bull. Et probablement, en tout cas, son plus mauvais Grand Prix de 2022. En 2022, de toute façon. Bon, au Canada et en Autriche, on n'a pas trop pu juger de sa perte parce qu'il a abandonné très tôt sur des soucis mécaniques. À Bahreïn, il est supposé finir 3e ou 4e si Verstappen n'abandonne pas. Il était dans le coup, il n'y a rien à dire. Le reste de ses Grands Prix, c'est toujours dans le top 4. Jamais de 3e place, c'est assez marrant. D'ailleurs, il a fait déjà 5 2e places, une victoire, 3 4e places en potentiel d'aujourd'hui, mais jamais de 3e.
Mais non, vraiment, Pérez, gros problème de rythme. Et Russell, bah, Russell a bien vu qu'une fois que Sainz avait déposé Pérez, comme dans les circonstances qu'on sait, il y avait un coup à jouer. Il y avait vraiment un coup à jouer en allant chercher Pérez qui, pour le coup, n'avançait pas. Hein. Il avait vraiment un rythme indigne de sa Red Bull. Donc Russell a senti le coup. Il y a donc ce moment très très peu de temps après le dépassement de Sainz. Je pense en fait qu'après s'être fait dépasser par Sainz, il a dû perdre beaucoup en rythme, coincer un peu derrière Sainz au moment où il essaie de reprendre de la traction. Et je pense que Russell en profite pour revenir. Puis c'est vrai que leur bagarre, je pense aussi qu'il a dû perdre de précieux dixièmes de secondes en défendant sur Sainz. Mais du coup, Russell se trouve très près et il y a ce fameux petit accrochage qui n'a pas été sanctionné. Hein. Pour le coup, on est vraiment dans le pur let them race. C'est pas plus mal en vrai, je trouve, parce que sur le coup, j'ai trouvé que Checo avait fermé la porte un peu violemment, comme il en a le secret. Russell a tenté vraiment à faire un peu kamikaze aussi. Je trouve que c'est assez miraculeux qu'ils s'en sortent les deux sans aucun dégât et qu'ils aient pu continuer sans perdre de perf. Donc c'est bien parce que du coup, ils ont pu se battre à nouveau. Et il y a donc eu cette virtual safety car due à l'abandon de Zhou Guanyu. Et ça, cette VSC, elle a généré un coup de maître de Russell qui m'a impressionné. C'est-à-dire qu'il est jeune, il n'est pas très expérimenté, même si c'est sa quatrième saison en F1. Et surtout, bah, il essaye quand même d'aller battre une voiture qui est meilleure que lui, même si pour le coup, elle n'a pas de rythme. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il endort un peu Pérez tactiquement sur ce coup-là. Ce qu'il fait, c'est très malin. Je serais pas surpris que du temps où il était chez Williams et où il faisait des coups d'éclat au volant de la Williams, il ait fait d'autres coups comme ça, où il a endormi un mec devant lui, mais où c'est passé complètement sous silence parce que qui en avait quelque chose à foutre de ce que faisait Russell sous sa Williams, sous VSC, je pense que personne ne regardait. Mais je pense que ça se trouve, c'est un truc qu'il a peut-être déjà fait, il s'est peut-être entre guillemets déjà entraîné dessus à un niveau inférieur du classement par le passé. Mais toujours est-il qu'il a endormi Pérez pour se rapprocher de lui pile au moment où la VSC se barrait, mettre le bon coup de réaccélération au moment où Pérez, pour le coup, n'est pas du tout focus sur le truc, et le fumer, mais alors vraiment, comme jamais. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'effectivement, Pérez, lui, s'est un peu envolé au début de la VSC. Je ne sais pas si Russell a cherché à baisser son rythme pour refroidir un peu ses pneus, pour réattaquer un bon coup après. Mais ouais, c'était un peu bizarre. La relance de cette VSC est bizarre. De toute façon, la VSC, d'une manière générale, ce concept est bizarre. Moi, perso, je suis contre la Virtual Safety Car. Le vrai problème de la Virtual Safety Car, c'est que c'est une espèce d'hybride qu'ils ont voulu mettre en place pour éviter de déployer une safety car pour rien, parce que c'est vrai qu'on a bien vu la voiture de Joe, pour le coup, elle a été sortie, enfin, elle a été dégagée dans les échappements en 30 secondes à tout casser. Ça va rien de sortir une safety car pour ça, même si Sainz aurait beaucoup aimé, je pense, parce que là Sainz, pour le coup, il aura certainement eu plus avoir le podium, quoi qu'il restait peut-être pas assez de tours pour doubler à la fois Russell et Pérez à nouveau. Mais ouais, non, c'est ouais, team anti-VSC depuis 2015, Max, on est d'accord, hein, c'est vraiment une saloperie ce concept. Mais ouais, donc vraiment coup de bluff assez magistral de Russell à ce moment-là. Et je vais pas vous mentir, hein, vraiment, je le dis pour la troisième fois de ce live, j'ai beaucoup d'affection pour Sergio Pérez. C'est un pilote, vraiment, ça m'aurait fait chier qu'il soit plus en F1 après 2020. Donc vraiment, le fait que Red Bull se soit dit, bah non, c'est lui qu'on veut prendre, c'est l'homme de la situation, et vraiment, clairement, depuis un an et demi, il prouve que Red Bull a fait le bon choix. Il a fait un Grand Prix dégueulasse. Et je pense qu'il était très frustré de son manque de rythme. Le fait d'avoir buté sur Hamilton en début de course, ça a dû le faire chier. Le fait de jamais trouver son rythme et d'en plus se faire rattraper par Russell, ça a vraiment dû le saouler. Autant bah, se faire manger par Sainz, c'était logique parce que clairement Sainz, bon, en plus, était en médium et il avait vraiment, vraiment un bien meilleur rythme. Mais se faire aussi doubler par la Mercedes, je pense que ça, il l'acceptait pas. Il voulait vraiment assurer bah surtout que c'était en plus le podium qui était en jeu à partir du moment où Sainz faisait son deuxième arrêt. Et du coup, à ce niveau-là, pour moi, on a eu le mauvais Checo, celui qui a un peu le seum et celui qui défend plus que de raison. Et c'est entre guillemets bien fait pour lui qu'il finisse quatrième, parce que vraiment, il méritait pas le podium. Russell, pour le coup, va chercher ce podium, il joue un beaucoup tactique et c'est très bien qu'il l'ait. Et puis bah, c'est bien pour Mercedes parce que l'équipe, du coup, place ses deux voitures sur le podium pour la première fois depuis très 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 longtemps. Le dernier podium avec deux Mercedes, ça doit être Jeddah 2021, du coup, puisque c'était le Grand Prix
avec les multiples passes d'armes et accrochages entre Hamilton et Verstappen et Bottas qui fume Ocon sur la ligne d'arrivée. Donc ouais, c'est ça, c'est depuis déjà 2021 qu'on n'avait pas eu de Mercedes sur le podium. Donc meilleur résultat de la saison pour Mercedes avec Hamilton deuxième. Et la musique en fond, en fait, je la laisse parce que je pars du principe qu'elle n'est pas très envahissante. Maintenant, je peux la baisser un peu si elle vous saoule. Hein. C'est vrai que bon, c'est peut-être de la F1 depuis une heure, mais je sais pas quoi mettre d'autre. Je vais le baisser un petit peu, voilà. Non, je vais pas mettre l'hymne des Pays-Bas. Même si les hymnes nationaux, je pense qu'ils sont effectivement libres de droit et qu'on peut les diffuser comme on veut. Mais non, je vais pas mettre l'hymne des Pays-Bas ni celui de l'Autriche. Voilà. Et puis bah, sur le reste de la course, donc comme je vous dis, c'est un Grand Prix qui pour moi a un peu défini une hiérarchie. Hein, vraiment, on a vu clairement le top 5 des écuries et on a vu à quel point ce qu'on appelle le top midfield, c'est-à-dire ceux qui jouent le top 4, c'est-à-dire Alpine et McLaren. Là, c'est la première fois de la saison pour moi qu'on a vu les 4 pilotes Alpine-McLaren tous ensemble se battre pour bah, ce qui est censé être leur spot, c'est-à-dire de la 7e à la 10e place. Donc là, c'était de la 6e à la 9e, du coup, du fait de l'abandon de Leclerc. Ils auraient jamais pu viser mieux, de toute façon, et ils ne pouvaient pas faire pire, parce que vraiment, derrière, le reste de la concurrence a été loin. Les Aston Martin n'étaient pas trop mal, c'est un de leurs moins mauvais Grand Prix de la saison. Clairement, ça avait l'air d'être légitime que ce soit le qui finissent 11 et 12. Et du coup, 10 et 11 à la fin. Mais ouais, non, vraiment, on a vu une bataille de midfield sur laquelle on s'est pas assez attardé, je trouve, niveau réel. Bon, c'est pas que c'était forcément passionnant, hein, mais Ocon a fait une jolie petite remontée quand même, parce que c'est vrai qu'après ça a eu deux ratés, fallait qu'il sauve des points. Il fait mieux que sauver des points, parce qu'il fait 8, c'est encore des gros points pris pour Ocon. Et Alonso, moi, qui fait une course, il fait la meilleure course qu'il peut, hein, il fait une 6ème place. C'est la première fois de la saison. C'est la première fois de la saison qu'il enchaîne autant de bons Grands Prix, mais en Autriche, il a quand même ce coup de poisse avec l'arrêt foiré. Parce que sinon, Alonso, pour moi, il aurait dû faire 5ème. Bon, il a fait 5ème à Silverstone, mais il aurait dû faire 6ème en Autriche, il aurait encore fait 6ème aujourd'hui. Mais on a l'impression que le chat noir, quand même, commence à s'éloigner d'Alonso et d'Alpine, et c'est une bonne chose. Mais ouais, McLaren vont vraiment à un rythme juste pour jouer la 4ème ou 5ème place. Bon, les deux pilotes sont encore là, mais vraiment, on sent qu'ils ont du mal à aller chercher mieux qu'une 5ème, 6ème place dans un Grand Prix un peu comment dire, un peu mouvementé, quoi. Le podium à Imola, c'est vraiment un miracle, hein, pour le coup. Vraiment, on sent que cette voiture, elle n'est pas faite pour faire mieux que 5ème ou 6ème, et que le podium d'Imola, il sort de nulle part, vraiment. Alonso fait clairement du bien à Alpine, ouais, je suis d'accord. Et ouais, pour les fans de McLaren, ouais, je suis d'accord, cette saison est frustrante, parce que vraiment, la saison précédente, et même celle d'avant, hein, 2020-2021, c'est vraiment des belles saisons de renaissance pour McLaren. 2019, déjà, augurait de belles promesses, hein, avec la première saison de Norris, Sainz qui remet l'écurie enfin sur le podium, même s'il n'était pas monté dessus officiellement. Mais ouais, 2020 et 2021, des vraiment belles saisons. J'étais même surpris que McLaren finisse pas 3ème l'année dernière. McLaren était clairement une meilleure 3ème écurie, mais Ferrari. En fait, Ferrari, en 2021, c'était un peu le Mercedes de cette année. Il n'y avait quasiment aucun coup d'éclat, mais ils marquaient toujours les points qu'il fallait vis-à-vis de leur adversaire, et à la fin, ils les ont coiffés au poteau grâce à ça. Et je pense que Mercedes est capable de faire la même chose à Ferrari en fin de compte. Hein. Et puis bah, le reste c'est assez anonyme. Et c'est marrant parce que du coup, le Grand Prix qui pour moi définit le plus clairement cette hiérarchie qui la dessine avec la plus grande évidence, c'est-à-dire Red Bull et Ferrari qui se battent, mais avec vraiment trop d'irrégularités et trop d'erreurs du côté de Ferrari pour lutter sur la durée. Mercedes qui est en embuscade, qui est méga régulier. Alpine et McLaren qui se battent donc pour les miettes des points, et puis les autres bah, qui sont plus ou moins à la rue. C'est très représentatif, et ce qui est marrant, c'est que du coup, on va supprimer du calendrier, parce que j'ai cru comprendre que c'était plus ou moins officiel, même si ce n'était pas encore officialisé par la FIA. Et j'ai cru comprendre que oui, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas de Grand Prix de France 2023, c'est sûr et certain. La vraie question, c'est voilà, qu'est-ce que va devenir le Grand Prix de France? Est-ce qu'il faut se réjouir de la disparition du Grand Prix de France, parce que non, mais est-ce qu'il faut se réjouir de la fin du Grand Prix de France au Castellet? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir de la France en F1? On parle d'alternance, effectivement, ça c'est sûr que ça serait cool de voir le Grand Prix de France une année sur deux. Maintenant, je pars du principe que la France fait partie de ces territoires historiques de la F1. Le problème de la France, c'est qu'elle a une instabilité totale au niveau de ses circuits que n'ont pas les places fortes comme l'Italie avec Monza, l'Angleterre avec Silverstone, même le Brésil avec Interlagos ou...
bon, Monaco, c'est un cas encore plus à part, le Japon avec Suzuka. Bon, le seul. La Belgique avec Spa, ça compte aussi, parce que même s'il y a eu des Grands Prix à Nivelles et Zolder, il n'y a quand même pas eu des masses. Spa, globalement, c'est le circuit historique. Monza, c'est pareil, il y a eu un Grand Prix à Imola une fois, mais Monza, c'est vraiment celui qui a le plus de fois eu lieu, même. Enfin, le Monza, c'est le circuit qui accueille le plus de Grands Prix, je crois. L'Angleterre avec Silverstone, c'est pareil, il y a une petite parenthèse Brands Hatch, mais elle était quand même assez brève. Pour le coup, la France, à mes yeux, n'a pas de circuit qui caractérise le Grand Prix de France. Il y a eu trop de Grands Prix. Si vous regardez bien, le Castellet et Magny-Cours, je crois qu'ils ont à peu près, à quelques éditions près, le même nombre de Grands Prix. Il n'y en a pas un qui incarne plus le Grand Prix de France qu'un autre, si vous voulez. Et c'est dommage parce que vraiment, quand on pense sport automobile, on pense France. La notion de Grand Prix s'intitule ainsi parce que c'est des Français qui l'ont inventé. La France a toujours été très active dans le sport automobile. Elle a toujours été au cœur de l'évolution technologique, que ce soit avec Renault, que ce soit avec Peugeot, que ce soit en Formule 1, mais aussi en endurance, en sport prototype, en rallye. C'est une place très 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 forte du sport automobile, la France. Au même titre que peut être l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Les Allemands, d'ailleurs, n'ont plus de Grand Prix depuis 2019. Ça aussi, c'est dramatique, parce que finalement, je ne sais pas si, outre-Rhin, les fans de F1 sont aussi autant le seum que nous vis-à-vis de cette situation, mais ce n'est pas normal qu'il n'y ait plus de Grand Prix en Allemagne depuis 2019. On a eu une parenthèse avec le vrai-faux Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring en 2020 parce qu'il y avait le Covid et parce qu'il fallait remplir les trous, et on a eu un Grand Prix de l'Eifel, mais on savait très bien que ça serait un one-shot. En dehors de ça, en plus, le dernier Grand Prix qu'il y a eu à Hockenheim est un des Grands Prix les plus fous qu'on ait eu ces dernières années. Je pense à Nico qui a découvert la F1 avec ce Grand Prix-là. On pouvait pas rêver mieux pour découvrir la Formule 1. Je pense que le premier Grand Prix de Formule 1 que vous regardez, si c'est un Grand Prix du calibre d'Hockenheim 2019, vous dites « Waouh, mais c'est un sport extraordinaire, j'ai trop envie de regarder ». Par contre, il y a des Grands Prix, si c'est votre premier, vous dites « Ah ouais, putain, c'est quand même très chiant, quoi ». Mais le Castellet, le vrai problème de ce circuit, c'est Romain Grosjean qui résumait dans l'équipe. Il fait une espèce de petite chronique dans l'équipe, donc le journal de l'équipe, hein. Pas l'équipe TV. Enfin, l'équipe 21, l'équipe TV, ça n'existe plus. Il a dit un truc, effectivement, que j'avais jamais plus percuté que ça, mais c'est très pertinent. Il a dit que le problème du Paul Ricard, c'est que c'est un circuit qui était pensé pour être un circuit de test, un circuit d'essai. D'où les très nombreuses configurations de pistes, d'où les dégagements si particuliers qui sont faits donc, de cette espèce de surface abrasive bleue puis rouge, donc encore plus ralentissante quand on va dans le rouge, mais qui du coup est supposée ralentir les voitures quand elles sortent, mais éviter qu'elles soient ensevelies dans du gravier, ou qu'elles abîment leur fond plat en roulant dans de l'herbe. C'est un circuit qui est pensé pour faire des longues séances de test, mais c'est pas un circuit qui est pensé pour faire des grands prix. C'est le problème de ce circuit. Je répète, pour le coup, les propos de Grosjean, parce que je trouve que ce qu'il a dit, c'est très juste. C'est un circuit qui n'est pas pensé pour accueillir des courses, vraiment. En plus, ils sont mignons à dire le revêtement abrasif, il est là pour ralentir les voitures. Alors, on n'a pas eu autant de problèmes de track limits qu'à Spielberg, mais on a quand même eu quelques-uns. Hein. Je me rappelle en début de course, d'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça aussi que Pérez a dû ralentir son rythme. Il y avait déjà deux track limits très tôt dans la course. Mais c'est un circuit, vous pouvez vraiment rouler à fond et prendre tous les risques, parce que vous savez que vous n'allez pas être grossièrement pénalisé si vous faites un petit travers. Vous allez réussir à revenir sur la piste facilement sans trop perdre de temps, et surtout, j'ai envie de dire, la surface bleue, elle ralentit pas, quoi. On l'a vu, les pilotes qui ont coupé parfois la surface bleue, on n'a pas l'impression que ça les ralentisse des masses. La rouge, ouais, peut-être qu'elle accroche beaucoup les pneus et que ça ralentit, mais franchement, c'est pas... Pour moi, c'est un mauvais circuit pour la Formule 1 en tant que circuit de Grand Prix, clairement. Avec le tech dégagement, le Castellet pour avoir un long lap, comme en MotoGP, c'est vrai, c'est un circuit qui pensait... Bah ouais, c'est un circuit... Alors, le Grand Prix de France de moto, il est au circuit Bugatti, au Mans. Mais c'est vrai qu'on pourrait tenter la moto là-bas, là, pour le long lap, c'est vrai qu'on est servi. Hein. D'ailleurs, j'avais un petit débat sur Twitter sur le concept des long laps avant le Grand Prix. Après le Grand Prix, mais avant ce live. Si vous ne suivez pas la moto et que vous ne savez pas ce que sont les long laps, c'est un concept que je trouve extrêmement pertinent et j'aimerais beaucoup trouver un équivalent en F1. En gros, quand un pilote est pénalisé, donc en F1, ils ont 5 secondes de pénalité qui sont soit rajoutées à leur chrono à la fin du Grand Prix, soit rajoutées à leur prochain arrêt au stand. En moto, ils n'ont pas ce système-là. Tous les circuits des Grands Prix moto sont aménagés de façon à ce qu'il y ait un endroit, c'est toujours dans un virage, où il y a une portion de piste
qui soit légèrement au large, qui soit faite de bitume, hein, donc c'est roulable, il n'y a pas de, il risque pas d'encrasser leurs pneus quoi que ce soit, mais c'est une portion par laquelle ils sont obligés de passer pour observer leur pénalité. Peu importe comment ils la passent, j'ai envie de dire, ils peuvent très bien prendre des risques en la prenant, hein, mais ils sont obligés de passer par là. Le bol d'or, il n'est pas à Manicourt, Stout, il me semblait. Mais du coup, ce système est très bon parce que du coup, les pilotes restent en piste quand même. Ils doivent se démerder donc pour prendre cette portion de piste qui les ralentit en perdant le moins de temps possible. Il y en a qui vont peut-être gratter quelques petits centièmes, voire dixièmes de plus que d'autres. Enfin, sauver plus de dixièmes que d'autres en faisant un meilleur long lap. Mais c'est un super concept. Le problème en F1, c'est que pour faire ça, il faudrait aménager tous les circuits en créant une zone comme ça de dégagement entre guillemets qui puisse être empruntée donc bah, sur le même tarmac hein, que le reste de la piste. Globalement, la majorité des circuits classiques de circuits permanents permettent de le faire. Mais alors, il y a des circuits bon courage parce que à Montréal, à Melbourne. À la rigueur, on peut peut-être espérer trouver un moyen de créer une espèce de chicane artificielle quelque part parce que bon, il y a quand même un peu de dégagement. À Monaco et Singapour, je sais pas où ils peuvent. Hein. Pour moi, c'est Monaco-Singapour, c'est impossible de créer un long lap où que ce soit. Donc, c'est un peu le problème. C'est dans le sud depuis 2015, d'accord. Je pensais que c'est là que vraiment je vois que j'ai encore des grosses lacunes sur l'actu moto. Je pensais que le bol d'or était toujours à Manicourt. Monaco, tu vas jusqu'à Menton et tu reviens, c'est ça. Mais ouais, non, c'est toujours un peu dommage de voir la MotoGP avoir plein de bonnes idées comme ça et la F1 va rester sur des systèmes de pénalités qui, en plus de pas toujours être forcément justes, sont appliqués d'une façon à la con. J'avais moi une idée, j'avais émis une idée, mais bon, elle peut être un peu dangereuse. C'est qu'on désigne ce qu'on appelle une ligne droite safe principale sur le circuit, donc souvent la ligne droite des stands, mais ça peut être la très grande ligne droite de rappel qu'il y a par exemple à Miami ou à Austin, et que le pilote qui doit se taper une pénalité soit obligé de rouler hors trajectoire à cet endroit-là, pour évidemment pas gêner ceux qui passent à fond, à un rythme VSC, voire limiteur de stand, juste le temps d'observer leur pénalité. Ça permettrait de contrer. Cette impossibilité d'avoir des dégagements pour faire un long lap. Le problème reste le même à Monaco. Je sais pas où ils peuvent faire ça parce qu'à Monaco, se mettre hors trajectoire en roulant à 2 à l'heure, c'est dangereux quand même. Donc voilà. Ah, ça resterait méga dangereux, hein, ça c'est sûr. Il y a aussi cette possibilité d'exploiter ces. Bah, le problème, c'est que la voie des stands, c'est trop long. La voie des stands, c'est ce qu'on appelle faire un drive-through. Et le drive-through, c'est une pénalité très, très, très sévère. Et c'est une pénalité qui en plus pénalise vraiment beaucoup parce que en fonction des circuits, il y a des circuits où la ligne droite des stands ne fait pas perdre trop de temps. Je pense à Monza par exemple et d'autres, notamment le Castellet, c'est une catastrophe. D'ailleurs, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je trouve que c'est. Ouais, ou alors être privé de DRS à la rigueur, mais bon, le problème c'est que le DRS, encore faut-il être derrière le pilote en question. Non, ou alors, je sais pas, une limitation une limitation du régime moteur pendant un certain moment, c'est-à-dire que s'enrouler à une vitesse très faible qui devient dangereuse. Voilà. Alors l'interdiction d'observer la pénalité au stand sous safety car, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Les safety cars, pour moi, ça reste un moment qui est une occasion de voir tout le monde briller stratégiquement, en jouant avec les limites du règlement. Et je trouve, pas, pour le coup, que c'est ingénieux de chercher à observer sa pénalité à ce moment-là. Une pénalité, ça doit être observée. Mais trouver un moyen qu'elle pénalise moins que prévu, tout en l'observant. Ça fait partie de la stratégie pour moi et c'est malin et je trouve que ça, honnêtement, je trouve que ça se tente. Et du coup, vu que je reviens à cette histoire de vitesse des stands, c'est pareil, le Castellet, un autre point sur lequel il est problématique, c'est donc il y a cette vitesse limite dans les stands. Pourquoi elle est de 60 là où elle est de 80 sur les autres Grands Prix? Déjà, je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Mais surtout, il y a la pire sortie de stand de toute la saison. C'est la plus dangereuse de toutes, elle est extrêmement problématique. C'est à cause de la largeur de la pitlane, d'accord. C'est assez étonnant quand même qu'ils aient une pitlane aussi peu large. J'ai quand même l'impression qu'il y aurait eu la place de faire quelque chose d'un peu plus large que ça, mais ouais. Par contre, la sortie est catastrophique. C'est-à-dire que le but d'une sortie de stand, c'est que on se retrouve hors trajectoire. C'est-à-dire qu'on ait une zone de réaccélération qui nous permet de ne pas entrer en conflit avec les pilotes qui, eux, font leur course. Si vous regardez, prenez n'importe quel circuit au monde.
La sortie des stands, le but du jeu, c'est qu'elle soit en général à l'intérieur de la trajectoire, dans une ligne droite. Le but du jeu étant que les pilotes qui sont sur la trajectoire idéale, arrivant à l'extérieur, ne risquent pas d'entrer en conflit avec ceux qui sortent des stands. Le Castellet commet une erreur monumentale dans sa conception, c'est que le premier virage est à gauche. Quand le premier virage d'un Grand Prix est à gauche, la ligne des stands, elle doit être à gauche. Regardez des circuits comme Interlagos, comme comment il s'appelle le Canada. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là où le premier virage est à gauche aussi? Il y en a plein comme ça. Hein. Mais dès que le premier virage est à gauche, il faut que la ligne des stands soit à gauche. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le coup, vraiment, la sortie des stands du Castellet est très dangereuse. Ouais, Singapour aussi. Voilà, Singapour, très bon exemple également. Merci, Jacques Thibault. En plus, voilà, bon, les pénalités de temps n'apportent aucune réparation à quelqu'un qui est mis hors course. C'est le même problème que le carton mis à un joueur en foot quand il a commis une erreur. La seule réparation, éventuellement, c'est d'avoir un coup franc. Mais bon, bah, si ça a flingué une action de but, même si le mec il est exclu, ça répare rien. C'est-à-dire que on a un mec qui parfois va faire une faute vraiment en mode suicide pour empêcher un but qui est tout fait. Il va se prendre un rouge, mais l'équipe derrière, elle va pas marquer. Ou alors, ses chances de marquer sont infimes par rapport à celles qu'elle avait sur l'occasion. C'est toujours le problème, c'est qu'une pénalité attribuée à un fautif dans le sport, quand bien sûr sa faute a compromis la performance d'un adversaire, malheureusement la pénalité a très 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 rarement des conséquences positives sur l'adversaire qui s'est retrouvé lui-même pénalisé. Ouais, la Corée avait, de toute façon la Corée, il n'y avait rien qui allait sur ce circuit, hein. C'était une catastrophe. Mais ouais, c'était une pitlane désastreuse, c'était type le Castellet, c'est-à-dire vraiment sorti des stands en pleine trajectoire à fond avant le premier virage. Je suis très étonné en 4 Grands Prix au Castellet nouvelle configuration qu'on n'ait jamais eu un seul accident ou situation vraiment très très problématique, très très sujette à polémique sur cette sortie stand. Je la trouve archi merdique et j'ose espérer que si le Castellet revient au calendrier un jour, qu'il fasse quelque chose pour cette sortie de stand parce qu'elle est vraiment problématique. Et vu la quantité de configuration qu'a ce foutu tracé, il doit y avoir quelque chose à faire, vraiment. Il doit y avoir un truc à faire. C'est pas possible de ressortir vraiment en pleine ligne droite là où les voitures arrivent à 320, quoi. C'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais pas du côté de la trajectoire, quoi. Ça, c'est vraiment un problème. Mais du coup, eh ben, l'avenir forcément de la F1 en France pour l'instant est bien sombre. Hein. Ouais, il me semble acquis qu'on n'aura pas le Grand Prix en 2023. Bon, moi, ce qui me ferait chier, c'est qu'on ait doublement pas de Grand Prix francophone. Bon, je vais exclure Monaco, qui est un cas à part, mais parce que la Belgique, visiblement, pourrait se voir privée de Spa aussi, et ça, c'est chiant, parce que Spa, c'est autre chose que le Castellet, hein, vraiment. Il y a eu des gros, gros, gros débats sur Spa vis-à-vis de la sécurité du raidillon, et ça, je suis d'accord. Bonjour Gapos et bonjour Alvitz. Alvitz, je réponds à ta question, je t'apprends parce qu'elle est très intéressante au passage. Je laisse volontiers le Castellet pour sécuriser Spa, mais c'est ça. Sécuriser dans les deux sens du terme. D'ailleurs, Spa, je maintiens que c'est pareil en termes de sortie des stands, il y a un vrai problème. La deuxième pit lane de Spa, donc celle qui est utilisée notamment, je crois, pour les courses d'endurance, elle est vraiment problématique parce que c'est à cause d'elle que la sortie du raidillon est fichue comme elle l'est maintenant, sans gravier, que les voitures du coup peuvent se retrouver à taper les murs et revenir sur la piste. Le raidillon est un problème de sécurité et je ne sais pas comment on peut le régler dans la configuration actuelle du tracé. Le reste du circuit, pour moi, par contre, il est quasiment intouchable. Bon, pour moi, il y a encore trop de zones d'asphalte hors piste. Ça me fait chier de voir que des parties comme Blanchimont et Pont, il n'y a plus du tout de gravier ou même d'herbe à cet endroit-là. Juste de l'herbe en fait. S'ils veulent pas mettre du gravier pour éviter les tonneaux, mettez de l'herbe à la rigueur. Mais c'est triste de voir des virages aussi impressionnants et dangereux être aussi peu pénalisants quand on va à l'extérieur et qu'on va au-delà des livreurs. Vraiment, c'est dommage. Ouais, il y a eu des travaux à Spa. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra ça dans un mois. Mais ouais. Alors. Donc je reviens juste à la question de Hasbit avant, et puis Max, je reviendrai aussi sur ta remarque qui est très intéressante. Hasbit, tu me demandes s'il y a un rapport entre mon amour pour l'automobile et Mario Kart. Honnêtement, oui. Honnêtement, je pense, parce que j'ai déjà Super Mario Kart, c'est vrai que je n'avais jamais réalisé, et en fait c'est très intéressant de me le signaler. Super Mario Kart, c'est un jeu que j'ai découvert la même année que la F1. Enfin,
Bon, puis le jeu à Noël 94, donc on va considérer que je l'ai surtout découvert en 95. Et surtout que c'est vraiment en 95 que j'ai commencé à jouer sérieusement. J'ai développé, je pense, en même temps, effectivement, un amour pour tout ce qui est course automobile, course, recherche du chrono, dépassement, ce genre de choses. J'ai développé les deux en même temps, et ils sont, je pense qu'ils sont intrinsèquement liés, clairement. Donc ouais, Max, tu disais, il faut arrêter de dire qu'il doit y avoir un Grand Prix de France quand on n'a pas de circuit adapté. C'est exactement le problème. C'est pour ça que je vais réemployer cette formule. Je suis triste qu'on ait plus de Grand Prix de France, mais je ne suis pas du tout triste qu'on ait plus de Grand Prix au Castellet. J'aimerais vraiment qu'on ait un Grand Prix de France fixe sur un circuit vraiment stylé. Il y a des questions économiques aussi derrière. C'est un circuit qui est apparemment pas bien situé. En plus, visiblement, les pilotes n'ont pas l'air de l'apprécier des masses. Bon, les pilotes, je pense que leur avis, malheureusement, on s'en fout. Hein. Il suffit de voir ce qu'ils ont pensé de Jeddah la première fois. Il suffit de voir ce qu'ils ont, comment dire, ce qui leur doléance vis-à-vis du mur de béton à Miami à la chicane, qui n'a pas été écouté. Je trouve que c'est scandaleux de ne pas écouter les remarques des premiers concernés à ce niveau-là. Les mecs, ils jouent leur vie. Alors oui, cette chicane n'est pas dangereuse parce qu'elle est à 80 km/h, mais c'est pas normal que même à une vitesse aussi faible, Ocon il ait autant mal au dos après son crash aux essais, quoi. Donc voilà. Et oui, apparemment c'est la misère pour accéder au circuit en tant que spectateur, mais Manicourt c'était pas mieux. Hein. Non, mais faut juste avoir un circuit vraiment à la fois bien situé et spectaculaire, parce que Manicourt n'était pas un circuit spectaculaire non plus. C'est vraiment un problème. C'est vraiment un gros problème. On a... Comment dire, on n'a pas de circuit qui, avec un aspect mythique en France pour la F1. On n'a pas. Alors je demande pas à ce qu'on ait un Spa, parce que Spa, c'est pour moi, c'est un joyau, c'est inégalable. Mais on n'a pas un Silverstone, on n'a pas un Nürburgring, on n'a pas. Je parle pas du Nordschleife, hein, je parle du Nürburgring normal. On n'a pas un Nürburgring, on n'a pas un Imola, on n'a pas même un Barcelone en fait. Barcelone, c'est pas un circuit de fou, mais comment expliquer que ce circuit-là soit tous les ans au calendrier depuis 91 sans interruption, même l'année Covid, alors que c'est un circuit où on se fait chier, qui n'est pas spectaculaire, mais lui, il n'est jamais remis en question, Barcelone. Alors, on va me dire, bah ouais, mais c'est un cadre idyllique, c'est près d'une très très grande ville, c'est au bord de la mer. Le Castellet, pas loin de la mer non plus. Hein. Mais alors non, je crois pas que le Bugatti était déjà testé en F1. Il y a peut-être eu des démos de monoplace historique sur le Bugatti, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Mais ouais, on manque d'un circuit avec du caractère en France, tout simplement. Et c'est vraiment dommage. Non, Barcelone n'a jamais été en mode Grand Prix d'Europe. Le Grand Prix d'Europe, il a été en Espagne à deux reprises. Il y a eu Jerez en 94 et 97, et puis il y a eu Valence de 2008 à 2012. Valence qui était très 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 critiqué comme circuit. Il ressemblait beaucoup en fait à toutes ces tilkeries, comme on dit, du monde du fameux architecte des circuits qui en a fait la majorité depuis 15 ans et qui sont pour beaucoup un peu ennuyeux. Le problème de Valence, c'est que il a le même problème que Sochi. Sa toute dernière édition aura été de très loin son meilleur Grand Prix et aura été passionnant. Et du coup, on le regrettera presque sur ce coup-là en disant « Ah, mais en fait, on pouvait avoir un beau Grand Prix sur ce circuit de merde. » Bon, Sochi, on a été aidé par le fait que c'est la seule unique fois où il a plu et le dernier Grand Prix de Russie, pour le coup, était assez ouf. Mais ouais, non, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme circuit inutilisé en France qui pourrait vraiment être digne d'intérêt pour la F1. Est-ce que tester le Bugatti, ça vaudrait pas le coup? Parce que mine de rien, c'est vraiment au Mans, c'est vraiment c'est quasiment dans le Mans. Hein, c'est pas comme c'était à 20 bornes du Mans, quoi. Il y a peut-être un truc à tenter avec ce circuit quand même. Puis bah, je sais pas s'il est grade A pour la FIA, mais bon, ils font de la MotoGP là-bas. À mon avis, il doit quand même être assez. S'il n'est pas, il ne doit pas y avoir grand-chose à faire. Et sinon, la solution, effectivement, comme tu dis, avec Thibaut, c'est juste de reconstruire, hein, tout simplement, de construire un nouveau circuit. Qui soit tout simplement raccord avec les exigences de la FIA, c'est-à-dire trouver un endroit qui plaise à la FIA, un circuit qui soit tout neuf. Alors il y a l'histoire de Nice qui veut son circuit, ouais, ça apparemment c'est même pas complètement une connerie en plus cette histoire. Moi je suis pas forcément chaud parce que c'est juste à côté de Monaco, quoi, et ça fait un peu double emploi d'avoir deux Grands Prix si près l'un de l'autre, quoi.
Donc, bon, après, à voir ce qu'ils veulent faire, mais bon. Et pas, par contre, je veux pas d'un circuit en ville. Je veux pas d'un circuit en ville en France. Alors, on a longtemps rêvé d'un Grand Prix de Paris. Il y avait l'histoire du Grand Prix à Disney. Alors, c'est vraiment un rêve bien fumeux quand même. Mais non, non, ouais, c'est un peu une impasse à ce niveau-là. Et je me dis effectivement que la seule solution, c'est peut-être d'en créer un. Alors, dans ce cas, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'on n'est pas prêt de le voir. Hein. Je sais pas combien d'années il faut pour créer un circuit. Mais on n'est pas malheureusement dans les Émirats du Golfe où on fait bosser des gens sous-payés qu'on enterre sous le circuit dès qu'ils meurent. C'est pas en France malheureusement qu'on trouvera de quoi faire un circuit vite et de toute façon dans les conditions des conditions de respect des droits de l'homme. Donc je vois pas comment il y a moyen de faire quelque chose. Et puis en plus, voilà, la France étant un pays effectivement où on a comment dire, un certain niveau d'activisme, j'ai envie de dire, pour manifester contre tout et rien, je pense que le moindre projet de création d'un circuit de F1 effectivement, se heurterait très très vite à beaucoup de manifestations, qui serait probablement en plus légitime, à mon avis, à plein d'endroits. Hein. Je vois très peu d'endroits où on pourrait construire un circuit sans que ça impacte sur l'environnement et sans qu'on se dise c'est une idée de merde. Mais ouais, non, ça serait très très compliqué d'en construire. Mais bon, après, voilà, moi, par contre, je serais quand même pas contre revenir à Magny-Cours, parce que Magny-Cours, on n'a pas couru dessus en F1 depuis très longtemps. Et pourquoi pas réessayer de redonner sa chance à Magny-Cours, malgré tout. En plus, il ressemble au circuit de F1 moderne, dans le sens où il a une interminable ligne droite pensée pour le DRS. Franchement, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est paumé, Magny-Cours. Il faut améliorer énormément d'infrastructures autour. C'est un peu le souci. Donc ouais, nous sommes dans une impasse pour le Grand Prix de France. Il y en aura donc sans doute pas l'année prochaine, c'est dommage. Moi, j'ai même pas de regret de ne pas être allé au Castellet parce que c'est loin. Moi, j'habite beaucoup plus près de Spa. Hein. Spa, c'est à 200 bornes de chez moi, je crois. Moi, par contre, je projette d'aller à Spa avec ma chérie, qu'on aille découvrir ensemble vraiment ce que c'est qu'un Grand Prix de F1. Alors, pas cette année, malheureusement, parce que c'est pas possible en termes de calendrier. S'il y a bien Grand Prix à Spa en 2023, par contre, c'est un truc que je ferais bien, vraiment. Pour le coup. Mais voilà. Je voudrais conclure ce live bilan, enfin, à moins qu'il y ait d'autres choses sur lesquelles vous vouliez rebondir après, mais je voudrais conclure déjà le bilan de ce Grand Prix de France par un bilan tête par tête, en fait. L'idée, c'est de passer en revue, en fait, les pilotes. Alors, les écuries, je suis pas convaincu que ça vaille vraiment le coup, parce que elles ont pratiquement toutes eu des pilotes qui ont eu des niveaux assez similaires pour la plupart d'entre elles. Regardez Mercedes, Alpine, McLaren, comment ils s'appellent, Aston Martin, elles sont toutes très proches les unes des autres. Red Bull, elles sont pas si éloignées. Bon, Ferrari, c'est vraiment le cas à part. Les Haas, Williams et AlphaTauri étaient dans les choux. Et Alfa Romeo aussi. Je préfère qu'on s'attarde sur les pilotes individuellement, c'est plus intéressant. Alors, j'ai pas même envie d'aller noter parce que j'ai pas encore défini d'un barème ou quoi que ce soit. Puis, j'ai toujours un problème avec les notations. Je trouve que c'est quelque chose de trop subjectif. Mais, bon, par contre, si je notais des pilotes, je noterais sur 10. Parce que, je l'ai déjà dit, en ce qui concerne JV, j'aime pas les notes sur 20. Quand je regarde les débriefs du pit stop et qui note sur 20, j'ai envie de lui dire mec, note sur 10. C'est le seul truc que j'aime pas dans ces vidéos, c'est qu'il note sur 20. Tout le reste est cool, mais la notation sur 20, vraiment, j'aime pas ce système. Mais de toute façon, je vais pas les noter, donc il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Je vais pas les noter, j'ai juste voilà, vous faire part de mon ressenti sur chaque pilote et n'hésitez pas à réagir également sur le chat pour chacun que je vais évoquer. Donc je vais pas les évoquer en fonction de leur classement à l'arrivée, je vais les évoquer en fonction des écuries, donc je vais faire écurie par écurie dans l'ordre dans lequel elles sont engagées. Hein. Donc je commence évidemment par comment il s'appelle, par les. Je vais y arriver. Par Mercedes et je finis par As, forcément. Baptiste Tout, merci beaucoup. Du coup, alors. On va essayer de noter le week-end dans l'ensemble. On va évoquer le week-end dans l'ensemble. Le problème, c'est que c'est un cas particulier parce que j'ai pas du tout pu regarder les qualifs comme je le voulais. J'ai pas pu voir les essais libres 3. Parce que samedi, j'étais au concert des Rolling Stones. Et honnêtement, les qualifs, c'est un miracle que j'ai réussi à les voir. Sur la fin, j'avais absolument plus de 4G. Je pouvais plus rien regarder. J'ai eu le temps de voir la fin du tour de Leclerc. J'ai pas vu ce qui s'est passé après. J'ai appris que Leclerc avait fait la pole.
à 23h50 quand j'ai à nouveau eu du réseau. Parce que je savais pas si Verstappen avait battu son temps ou pas. Et j'ai pas vu les essais libres 3 et les 1 et 2, bah, je bossais en même temps, donc c'était un peu compliqué de vraiment les regarder. Donc je préfère surtout évoquer la course quand même, même si je vais quand même prendre la qualif et l'ensemble du week-end en considération, c'est important. Donc on va commencer déjà par Mercedes, donc bah, on va commencer par Hamilton, qui a fait un de ses meilleurs week-ends de la saison hein, pour l'instant. Bah, déjà, il fait son meilleur résultat de la saison, il finit deuxième. Donc c'est la première fois qu'il finit deuxième depuis 2021. La dernière fois qu'il a fini deuxième, je pense que la dernière fois qu'il a fini deuxième, c'était beaucoup moins agréable pour lui qu'aujourd'hui. Hamilton, bah, il a fait une qualif honorable, hein, j'ai envie de dire. Il a fait entre guillemets du mieux qu'il pouvait. Je crois qu'il s'est qualifié 4. Bah, vu que Sainz n'était plus dans le coup, c'était le mieux qu'il pouvait faire. Hein. Pour moi, Hamilton, à la régulière, il faisait la P5 en qualif. Voir un peu mieux s'il y en a un des autres devant qui fait une erreur. Donc sa P4 est logique. Il fait un super départ. Et ce super départ, ça a conditionné toute sa course. Parce que on voit vraiment à quel point Pérez. Vraiment, je suis désolé, je vais m'acharner sur Pérez et je vais y revenir après. Mais Pérez se chie complètement au départ. Il reste scotché. Et Hamilton, lui, fait un super départ. Donc les deux côte à côte, c'est vraiment impressionnant la différence. Et honnêtement, la ligne droite aurait été un peu plus longue. Je pense qu'il aurait pu aller chercher Verstappen. J'ai l'impression que le dive bomb lui est passé par la tête pendant une fraction de seconde. Et puis on a senti qu'il s'est dit non, non, je vais quand même pas flinguer mes pneus dès le premier tour. Dépasser Verstappen n'a aucun intérêt puisque de toute façon il pourra pas se battre avec plus tard. Donc il reste sagement derrière, il n'encrasse pas ses pneus. C'est un bon gestionnaire de pneus. C'est toute l'expérience de la course d'Hamilton, on l'a vu là-dessus. Il a la réaction d'une fraction de seconde pour se dire. Non, ce n'est pas un move intelligent, je vais le payer plus tard, je le fais pas. Et c'était son 300e Grand Prix à Hamilton, quand même, c'est impressionnant. Hein, il y a très très peu de pilotes qui ont fait 300 Grand Prix. Qui a fait 300 Grand Prix d'ailleurs? Évidemment, il y a Raikkonen, Alonso, il y a Barrichello. J'aurais tendance à penser que Jenson Button a fait 300 Grand Prix aussi. Massa doit pas en être loin. Schumacher a fait 300 Grand Prix, évidemment. Mais du coup, voilà, Hamilton rejoint le cercle très fermé des 300. Et faites-m'y penser quand je parlerai d'Alonso. Alonso a battu un record de longévité très précis aujourd'hui qui est très intéressant à souligner. Mais ouais, Vettel. Ah si, Vettel. Vettel doit être à 300. Ah non, 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 Vettel n'est pas à 300, c'est pas possible parce qu'il a débuté un poil après Hamilton. Donc Vettel, il les aura s'il finit la saison, je pense. Sachant qu'il lui manque deux grands prix sur le début de saison. Mais je pense qu'en fin de saison, Vettel fera 300, ouais. S'il les fait, ça sera certainement à. Peut-être au Mexique ou au Brésil. Mais du coup, ouais, donc toute la science de la course d'Hamilton résumée dans son départ excellent. Après ça, il résiste à Pérez très proprement, sans forcer. Il nique pas ses pneus. Bon, on sait de toute façon, hein, historiquement, que c'est un des meilleurs gestionnaires de pneus qui existe. Le reste de sa course, elle est assez anonyme finalement. Il hérite de la deuxième place par chance quand Leclerc abandonne. Et il la lâche plus. Et à aucun moment, il est en danger. C'est ça qui est impressionnant, c'est que derrière lui, il a Pérez. Qui est supposé avoir un bien meilleur packaging et supposé à un moment quand même de revenir sur lui. Il peut potentiellement se retrouver sous la menace de Sainz si les circonstances permettent à Sainz de revenir un petit peu dans la bataille. Parce que Sainz, clairement, lui, il l'aurait bouffé. Hein, là où Pérez a pas le rythme, là, il l'aurait bouffé. Mais non, il a fait une course nickel. Il y a juste cette toute petite incartade pardon, dans la zone de dégagement au virage 2 une fois dans la course, ce qui est une erreur mineure vraiment sur 53 tours. Donc une course vraiment exemplaire d'Hamilton, son meilleur Grand Prix depuis très longtemps. Quoique moi je maintiens que Silverstone était un Grand Prix de ouf de sa part. Et alors en plus, on a appris à la fin de la course qu'il a fait ce Grand Prix dans des conditions catastrophiques. Vous avez vu cette image de la cool room à la fin où il est, comment dire, donc écroulé au sol. Pourquoi il est écroulé au sol? Tout simplement parce qu'il n'avait absolument plus du tout d'eau à boire dans... Comment dire? Il était... complètement je trouve plus le mot, il était complètement desséché, voilà, tout simplement déshydraté, ça y est, j'ai retrouvé le mot que je voulais. Et donc c'est d'autant plus remarquable pour lui d'avoir réussi cette performance. Donc vraiment, ouais, chapeau. C'est ça serait lui le driver of the day s'il n'y avait pas eu la remontée de Sainz. Russell, je me suis déjà attardé sur lui. Russell a fait une course extrêmement propre. Sa qualif était pas ouf. Ça fait plusieurs fois que Russell fait une qualif pas terrible, ce qui l'oblige à faire des courses d'attaque, à prendre des risques, à avoir du coup quelques soucis. Clairement, ici dans le carambolage à Silverstone, c'est parce qu'il est mal qualifié.
Clairement, en Autriche, s'il est obligé de se retaper une remontée comme ça, c'est parce qu'en plus, bah, il est un peu en milieu de peloton suite à son accrochage avec Pérez, et c'est parce qu'il a foiré sa qualif. Là, encore une fois, sa qualif est pas top, mais il fait un bon départ, déjà il se débarrasse de Norris. Alonso le fume complètement par l'extérieur au départ, mais il s'en débarrasse relativement vite, et après ça, bah, il attend littéralement le bon moment pour se venger de Pérez. Il y a juste voilà quelques petites déclarations comment dire au micro qui sont un peu dispensables, Ichouine, mais bon, Ichouine tous, de toute façon. Et le problème, c'est qu'on nous met plus, on nous met beaucoup plus à la radio les principaux pilotes, ceux qui sont en tête ou qui jouent le podium. Donc forcément, on les entend plus chouiner. En plus, leur situation, dès qu'elles sont un peu conflictuelles, forcément, elles concernent le podium, elles concernent des plus gros enjeux. Donc c'est normal de les entendre plus râler, je pense. Mais voilà. Donc Russell, ouais, il fait un Grand Prix moins bon que celui d'Hamilton, clairement. Mais à la fin, il va chercher une belle troisième place. Il revient sur le podium pour la première fois depuis Bakou, je crois, si je dis pas de conneries. Donc ouais, c'est vraiment une belle perf de la part de Russell. La perf d'ensemble de Mercedes est très bonne. Pour moi, Mercedes, c'est paradoxalement peut-être la meilleure équipe de ce Grand Prix. Parce que leur duo de pilotes était, une fois de plus, extrêmement équilibré. Ils n'ont pas fait une seule connerie, en fait. Et rien que pour ça, bah, c'est idéal, tout simplement. On va passer ensuite à Red Bull. Verstappen, il n'y a rien à dire. Verstappen, alors il avait un peu l'impression de manquer de rythme en qualif, et il savait que bah, Pérez n'était pas là pour l'aider. Pérez était là pour assurer une troisième place, à ce qu'il a fait. Le but de Red Bull, c'était de placer ses deux voitures pour gêner le plus Leclerc en course. Donc ils se sont dit, au pire, si on n'a pas la pole, c'est pas grave. Vaut mieux être 2 et 3 que de sacrifier la qualif de Checo. Bon, finalement, ils auraient sacrifié la qualif de Pérez, ça n'a pas changé grand-chose parce que Pérez a foiré sa course. Mais le fait est que Verstappen, il a fait ce qu'il fallait. Et encore une fois, je pense que le gros gain de maturité de Verstappen, on l'a vu en début de course. Parce que clairement, en début de course, il revient comme une balle sur Leclerc à chaque fois qu'il y a une ligne droite. La différence de performance entre les deux voitures, on le sait depuis longtemps, hein, c'est la Red Bull est beaucoup plus performante en ligne droite la Ferrari dans les sections sinueuses et les virages rattrape son potentiel retard. Donc si une Ferrari est devant et que les lignes droites sont pas trop longues, il y a de grandes chances qu'elle bloque la Red Bull facilement parce que elle va reprendre suffisamment d'avance dans les sections sinueuses pour avoir les 8, 9 dixièmes de sécurité qui l'aident à être peinarde même en cas de DRS parce qu'on n'a pas la ligne droite de Monza ou celle de Bakou. Donc à partir de là, Verstappen, je pense qu'il a vite compris que c'était inutile d'essayer de dépasser Leclerc à la régulière, qu'à moins de tenter un move un peu suicidaire, il risquait plus d'encrasser ses pneus qu'autre chose. C'était un Grand Prix où en plus on était parti probablement sur des strats à 2 arrêts. Donc il a compris clairement que ça valait pas le coup de prendre des risques. Il est très 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 bon calculateur, Verstappen, cette saison. On l'a vu sur plusieurs Grands Prix. On l'a vu en Autriche quand il a compris que ça servait à rien de résister à Leclerc, qu'il valait mieux assurer la deuxième place plutôt que de partir au clash et encore une fois de se mettre dans une situation délicate. Verstappen, ce qui est impressionnant, c'est que s'il gagne le titre cette année, il m'aura beaucoup moins impressionné qu'en 2021. En 2021, il a été incroyable. Il a été chercher un titre pour la première fois de sa carrière dans des circonstances qui, de base, devaient lui être défavorables. Il a été impressionnant toute la saison. Il a eu quasiment aucun Grand Prix sans. C'est vraiment une saison de fou. Cette année, il m'a quasiment jamais impressionné, mais il est très très régulier, très très solide. Il fait pas de conneries. Et ouais, comme tu dis, effectivement, Max, cette saison, tout ce qu'il a à faire, c'est franchir la ligne. C'est un peu ça. Verstappen, globalement, il n'y a que 3 Grands Prix qu'il termine, qu'il ne gagne pas. C'est Monaco parce que bah, sa qualif a été foirée à cause notamment du crash à la fin de la Q3. C'est Silverstone, et Silverstone, on sait pourquoi, hein, parce que vraiment il a eu un déficit de perf suite à un événement extérieur, et ça, bon, bah, c'est un Grand Prix qu'il aurait probablement pu, voire dû gagner. Il fait partie de ces Grands Prix où je ne sais pas entre qui aurait dû gagner entre lui et Leclerc si les deux avaient pu se battre, mais on ne peut pas trop savoir. Et l'Autriche, bah l'Autriche, là, pour le coup, bah, il s'est fait déposer par les Ferrari, il pouvait rien. Mais les autres Grands Prix, et globalement, il va les chercher à chaque fois. Les seuls Grands Prix qu'il aurait pu finir, effectivement, un peu anonymement, ça aurait été Melbourne et Bahreïn, où il aurait fait 2 et 3, en n'ayant aucune possibilité, vraiment, d'aller contester la victoire à Leclerc, surtout à Melbourne, où il avait absolument aucun rythme. Sur le reste, vraiment, voilà, c'est... Il est, disons-le, pour la première fois de la saison, on peut vraiment affirmer qu'il est en route vers son second titre.
Là, il va vraiment falloir qu'il ait la poisse, qu'il y ait une succession d'événements défavorables. Je pense que le seul truc qui peut vraiment le mettre dans la sauce, c'est ça serait deux abandons consécutifs où Leclerc en profiterait. Alors, je dis pas que Leclerc lui mette un 50-0, mais que Leclerc fasse 1 et 2 sur deux grands prix où Verstappen soit abandonne, soit finisse effectivement 7 ou 8. C'est le seul truc qui peut le remettre parce que s'il continue d'enchaîner les podiums, il est irrattrapable. Quand on a 63 points d'avance comme ça, même si il reste, c'est vrai, encore 9 grands prix, il a littéralement, il faut reprendre 7 points sur lui à tous les grands prix. Je sais pas si vous rendez compte 7 points ce que c'est. 7 points, c'est l'écart entre le premier et le deuxième. Si on fait fi des courses sprint et des points du meilleur tour, Verstappen n'a besoin que de finir tous les grands prix qui restent à la deuxième place pour être champion, quasiment. C'est alors qu'on est fin juillet, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'il a eu deux abandons et une septième place. Il a même pas fait un début de saison aussi parfait que j'ai dit une connerie parce qu'il a aussi deux abandons en 2021. Il a Baku et Silverstone. Mais ouais, non. Alors après, il y aura peut-être effectivement une pénalité à un moment pour changement de pièce, ça c'est sûr qu'il en aura une. Maintenant, attention, est-ce que Leclerc en aura pas une deuxième aussi? Parce que Leclerc, le problème, c'est que celle qu'il a dû faire, il a dû l'observer très tôt dans la saison. Je pense que Red Bull sera assez intelligent pour lui filer sa pénalité au moment où ça les aidera le plus. Peut-être ils sont capables peut-être de le tenter à Monza, hein, ou à Mexico, qui est un circuit qui a toujours très 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 bien réussi à Red Bull aussi. Mais bon, faut se méfier des circuits qui ont historiquement réussi, parce que le Red Bull Ring, normalement, ils étaient intouchables dessus, et ils se sont fait démonter par Ferrari cette année. Donc bon, on n'est jamais trop sûr de rien. Mais du coup, ouais, non, Verstappen, voilà, bon bah... Il n'y a pas grand chose à dire sur sa course, elle est mature, elle est maîtrisée, et puis bah, une fois que son rival n'est plus là, il n'a rien d'autre à faire que d'assurer, et il se met dans une situation où il n'a même pas besoin d'un deuxième arrêt, parce qu'il sait que de toute façon, même sans forcer, il est plus performant qu'Hamilton, que Sainz est beaucoup trop loin pour remonter, que son coéquipier n'est pas un danger, course sans histoire, et victoire logique à partir du moment où Leclerc n'est plus là. Pérez par contre, c'est un autre problème, et Pérez ça m'emmerde, parce que vraiment, je vous dis, j'ai rarement vu faire une course aussi nulle. Il n'y avait pas de rythme et clairement sa frustration lui a fait faire des moves plus que limites. Le fait qu'il n'arrive pas à passer Hamilton en début de course, j'ai trouvé ça très surprenant et j'ai l'impression que ça l'a frustré, ça l'a énervé et il est peut-être en plus tombé sur un train de pneus en hard qui ne l'a pas aidé parce qu'il s'est fait distancer par Hamilton carrément, là où en début de course bah, il essayait de le rattraper, il n'y arrivait pas et on a senti qu'il allait risquer de se contenter d'une troisième place ou alors tenter d'avoir Hamilton à l'undercut. Et en fait, sa course a été de mal en pis. Et la quatrième place, c'est vraiment le mieux qu'il mérite sur ce Grand Prix parce que franchement, le voir sur le podium, ça aurait été un peu volé parce que c'est un podium qu'il aurait hérité déjà de l'abandon de Leclerc. C'est un podium qu'il aurait hérité aussi de la stratégie dégueulasse de Ferrari vis-à-vis de Sainz. Et il aurait également hérité d'un podium que Russell méritait plus que lui. Donc... vraiment, le moment où il se fait fumer par Russell sur un bon coup stratégico-tactique d'un pilote qui a 10 saisons quasiment de moins que lui dans les dernières ceintures, pour moi, c'est mérité et ça l'amène à terminer une place qui est la meilleure qu'il pouvait espérer aujourd'hui parce que vraiment, je l'ai trouvé très très moyen aujourd'hui, Pérez. Et il ne nous a pas habitués, je trouve, à des Grands Prix aussi médiocres. Les Grands Prix où il n'est pas bien, Pérez, souvent, il abandonne, il finit hors des points. Mais les Grands Prix où Pérez marque des points, mais aussi... inexistant en termes de rythme, c'est rare. Et puis, ben oui, je vous dis, en plus, on a vu le mauvais aspect défensif à la fin. Ces zigzags pour empêcher Sainz de passer, c'est limite. Cela encore, ça peut aller parce qu'en vrai, il change assez peu de trajectoire. C'est juste qu'il va vraiment bien se mettre à l'endroit où ça fait chier, mais au dernier moment, il se décale, c'est pas toujours très clair. Sur Russell, bon, le moment où il se touche, pour moi, les torts sont partagés parce que Russell tente un truc peut-être d'un peu trop loin, mais Pérez doit certainement regarder ses rétros, doit se dire, bon, allez, je laisse court-circuiter la chicane, tu vois, mais non. Donc vraiment course pas ouf, assez décevante. Maintenant Ferrari là c'est plus compliqué parce que globalement Leclerc, je sais pas comment noter sa course parce que je ne sais pas en fait si c'est vraiment une erreur de pilotage de sa part ou si c'est une défection technique qui fait partir en tête à queue. Si c'est une erreur de pilotage de sa part, dans ce cas là ce qu'il faut en déduire c'est que Leclerc, on voit que c'est un jeune qui manque encore de l'expérience de lutter pour un titre que Verstappen a déjà et qui lui fait commettre des erreurs en piste qu'il ne faut pas commettre quand on lutte pour un titre. Après, il l'a dit lui-même, il a été très lucide là-dessus, il a dit, avec les erreurs
que je fais, je mérite pas d'être champion en fin de saison. Bon, de toute façon, là, vu le retard qu'il a, c'est déjà compliqué d'encore envisager de l'être, mais il faut pas arrêter d'y croire parce que bon, bah, il est toujours deuxième, malgré le fait que Perez et tout le monde soient revenus sur lui. Il a que 43 points d'avance sur Hamilton qui est sixième, hein, quand même. Mais pour moi, il peut toujours être dans le coup parce que je reste persuadé que Verstappen n'est pas du tout à l'abri d'un autre bris mécanique ou d'un autre problème. Il en a eu quand même 3 cette saison alors que l'année dernière, il n'en a jamais eu. Je pense vraiment, pour le coup, qu'il est possible qu'il y ait encore un Grand Prix où Leclerc reprenne beaucoup de points à Verstappen. Je pense que c'est tout à fait possible. Peut-être un ou deux. Mais ouais, il va falloir s'accrocher. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est donc visiblement la deuxième erreur de pilotage manifeste de sa saison qui lui coûte beaucoup de points et beaucoup plus qu'à Imola. À Imola, il passe de 15 à 8, c'est pas trop grave. Passer de 15 à 8, ça équivaut à passer d'une première à une deuxième place, si vous voulez. Ça équivaut à passer de 25 à 18. Hein. S'il fait cette erreur-là, qui va dans les pneus et qu'il arrive à faire une marche arrière, qui a uniquement son aileron de pété, qui rentre au stand qu'il arrive à sauver un podium à la fin, bon, bah, il limite la casse et on fait un bilan similaire à celui d'Imola. Maintenant, là, c'est un cas typique de leader qui se crache tout seul en tête. Le dernier à qui c'est arrivé, malheureusement, on en a un mauvais souvenir, c'est Vettel en 2008 à Hockenheim. Alors, les circonstances n'étaient pas les mêmes parce qu'il pleuvait. Enfin, il commençait à pleuvoir et il a fait un tout droit. Mais il était dans une situation où vraiment, pour le coup, il menait sa course tranquillement. On a bien vu que ses pneus commençaient à être usés, mais c'est pas un problème pneumatique de toute évidence. Verstappen venait de s'arrêter. Je pense qu'il aurait été de bon ton de s'arrêter un tour après pour éviter l'undercut. Et bah, du coup, on n'a pas pu voir. En plus, on n'a même pas pu mettre la stratégie de Ferrari à l'épreuve sur Leclerc sur ce Grand Prix. Bon, à tous les coups, elle aurait été à chier, hein. on connaît Ferrari. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, du coup, ouais, c'est plein de regrets, parce que noter la perte de Leclerc sur ce week-end, c'est très compliqué. Son début de course, il est nickel, hein, vraiment. Il fait ce qu'il faut pour devancer Verstappen. Ses débuts de course à Leclerc sont vraiment excellents à chaque fois. Mais son erreur, à partir du moment où elle est vraiment de lui, c'est effectivement une erreur d'un pilote qui est peut-être encore un peu tendre pour jouer un titre de champion. Ça va lui servir. Clairement, s'il n'est pas champion de cette année, l'année prochaine, s'il joue à nouveau le titre, il reproduira plus ses erreurs, en tout cas, je l'espère pour lui. Mais c'est vrai qu'il l'a dit, il l'assume, il estime qu'il a perdu 32 points à cause de ses propres erreurs cette saison. On verra combien de points il manque à la fin, parce qu'il ne faut pas oublier que pour moi, il y a plus de 50 points qui sont perdus à cause de son écurie. Mais ouais, C'est dommage parce qu'on a cette impression à chaque fois de voir où sont ses limites, peut-être mentales, et de se dire il y a peut-être encore des trucs à travailler pour qu'il puisse viser le titre. Verstappen a tellement d'années d'expérience à ce niveau-là que voilà. Maintenant, John, tu dis un truc très vrai, tu dis la route a été longue pour Schumacher chez Ferrari. La route a été longue pour tous chez Ferrari. Rappelez-vous Alonso et Vettel. Alonso c'est le cas le plus particulier parce qu'Alonso c'est le seul pilote qui est allé chez Ferrari pour jouer le titre et qui l'a joué tout de suite et qui le jouait de moins en moins au fil des années. Vettel n'a jamais pu jouer les deux premières saisons, il a fallu attendre la troisième. Schumacher, c'est dès la deuxième saison qu'il a pu jouer. Alonso, c'était tout de suite. Alonso, n'oublions jamais que, comme Raikkonen d'ailleurs, hein, finalement, Raikkonen, il a le titre dès sa première saison, mais Raikkonen, c'est parce que McLaren lui offre le titre, hein, littéralement. Mais Alonso, faut pas oublier que le titre 2010, il allait l'avoir. Hein. S'il ne calque pas bêtement sa stratégie sur celle de Weber, le titre 2010, il est pour lui. Je sais pas si c'est une décision de Ferrari unilatéralement de le faire rentrer pour courir la strat de Weber, ou si c'est Alonso qui en briefing pré-course a dit Weber c'est notre principal rival, c'est lui sur qui il faut se focus, Vettel on s'en occupe pas, j'en sais rien, mais c'est un titre pour moi qui est censé être pour lui, vraiment. Je dis pas que c'est celui qui mérite le plus en 2010, je dis juste que vraiment c'est le seul pilote Ferrari, vraiment, qui était en mesure dès sa première saison de gagner le titre et qui l'a gâché. Parce que Vettel en 2015, bon, il arrive à gagner 3 Grands Prix, mais les Mercedes sont largement au-dessus. Leclerc, quand il arrive, il fait une très 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 belle première saison quand il arrive chez Ferrari, parce que c'est le seul nouveau pilote qui arrive chez Ferrari avec absolument pas l'ambition de gagner un titre tout de suite. Il est là pour vraiment apprendre, devenir un grand pilote. C'est pas la même chose qu'un Alonso quand il arrive en 2010, ou qu'un Vettel quand il arrive en 2015, ou un Schumacher en 1996, ou même Raikkonen en 2007. C'est plus du niveau d'un Massa quand il arrive en 2006, en fait.
Alors effectivement, F1Man, tu dis 6 victoires à 4, c'est pas se faire offrir le titre. Oui, Raikkonen est le pilote qui a gagné le plus de Grands Prix cette année. De toute façon, Raikkonen, il a fait ce qu'il faut, à savoir être là au bon moment. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Le vrai souci pour moi, c'est que McLaren, en refusant de désigner un numéro 1 dans cette lutte pour le titre, s'est fait harakiri, vraiment, devait faire 1 et 2 assez tranquillement, ou alors peut-être 1 et 3 si vraiment il décidait d'en favoriser un et que Raikkonen arrivait à choper la place de vice-champion. Mais quand on voit le retard qu'a Raikkonen, 3 Grands Prix avant la fin, c'est pas normal. C'est pas normal du tout que Raikkonen arrive à shipper ce titre à Mercedes, à McLaren. Je dis Mercedes parce qu'il était motorisé par Mercedes à l'époque. Après, Raikkonen, il a fait ce qu'il fallait, clairement. Il s'est dit, bon, bah écoutez, ils veulent pas du titre, moi je le prends. Les 3 derniers Grands Prix, il fait une 2e place et 2 victoires. C'est pile ce dont il avait besoin. Parce que les autres ont fait de la merde. Alonso se crache à Fuji, Hamilton fait un truc grotesque dans l'entrée des stands à Shanghai, et puis bon, bah, le dernier Grand Prix au Brésil, c'est juste celui qui m'a saoulé. C'est, ils font pile les résultats qu'il faut, c'est-à-dire, bon, il fallait que Raikkonen gagne pour être champion, mais je veux dire, il fallait qu'Alonso ne fasse pas mieux que 3, il fallait que Hamilton ne fasse pas mieux que 7, et ils font pile ces résultats-là. C'est quand même incroyable, ce dernier Grand Prix. C'est vraiment le... Je vous dis, j'aime Ferrari et je suis content que Ferrari ait gagné et gagné des titres, mais le dernier titre que Ferrari a réussi à gagner, je l'aurais échangé contre celui de 2008 sans aucun problème, ou celui de 2010 ou celui de 2012. C'est vraiment pas celui pour moi qui méritait le plus de gagner. Mais McLaren a vraiment décidé de dire, bah écoutez, ouais non, on est dans la mouise jusqu'au cou, donc on va éviter de se taper la honte et d'être en plus champion pilote après avoir triché, donc... Allez, on s'arrange pour que Raikkonen soit champion et comme ça, on verra rien. Bon, j'exagère, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est invraisemblable. Les événements qui conduisent la perte du titre pilote pour McLaren en 2007, c'est invraisemblable, invraisemblable. Mais donc, ouais, tout ça pour dire que voilà, Leclerc n'a peut-être pas encore le mental d'un champion du monde. Il a le mental d'un pilote pour gagner des grands prix, pour peut-être lutter pour le titre, mais il va lui falloir encore un petit plus. Il faut lutter contre ces démons aussi, parce que c'est clair qu'il a la poisse. Maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être pas de la poisse, hein, ce qui s'est passé, c'est un autre problème. Sainz, par contre, inversement, donc Sainz, pour moi, c'est simple, encore mieux qu'Hamilton, c'est le meilleur pilote de ce Grand Prix de France. On avait vu que Sainz avait un très bon rythme dans les séances d'essai. En qualif, clairement, il aurait pu jouer la pole, mais il s'est effacé pour aider Leclerc, et c'était normal, vu qu'il allait prendre la pénalité qui te faisait partir plus loin. Sa remontée en début de course, elle est conforme à ce qu'on attend. Il bute un petit peu sur 2-3 pilotes récalcitrants à un moment, mais il s'en sort quand même pas mal. Je crois qu'on vient de s'arrêter, il est déjà P8, un truc comme ça. Et c'est après son arrêt, au moment en plus où il sait qu'il a cette pénalité, après peut-être aussi que ça a joué dans l'énorme attaque qu'il nous a offerte, mais il a vraiment, vraiment fait une remontée incroyable, il a fait des dépassements incroyables. Son dépassement sur Russell, je vous dis, pour moi, c'est un des plus beaux de la saison. Je me demande si c'est pas le plus beau dépassement de la carrière de Carlos Sainz en F1. Vraiment, il est magnifique. Grand Prix très 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 agressif, mais sans faire d'erreur, sans s'impatienter. Le moment où il est derrière Pérez, il aurait vraiment pu commettre une bourde, tomber dans le piège de Pérez. Et non, au contraire, il a fait tomber Pérez dans son propre piège. Il a corrigé les erreurs de son ingénieur à la radio. Il est juste victime de Ferrari, en fait. La 5e place qu'il fait, pour moi, elle est pas cher payée. Il méritait la 3e, je pense. Il pouvait pas aller chercher plus haut. Je pense vraiment pas qu'il serait allé chercher Hamilton, mais il méritait clairement la 3e. C'est dommage. Avant Ferrari, il dépassait personne. Sainz, c'est un peu cruel, mais c'est pas loin de la vérité. Sainz, c'est un pilote très régulier, très propre, mais c'est vrai qu'il lui manque un peu cette étincelle. On le voit un peu s'énerver depuis quelques temps, quand même, et ça fait plaisir. Mais ouais, non, vraiment, vraiment, pour moi, 5e, c'est dommage. J'aurais vraiment aimé le voir 3e, j'aurais aimé voir Ferrari se dire, bon, bah, de toute façon, vu qu'on sera 5e, dans le pire des cas, on reste sur ces médiums jusqu'à la fin, et on voit si on peut les emmener au bout. Parce qu'il aurait mis de l'avance, clairement, à Pérez, et je pense que s'il avait réussi à amener ses pneus avant une très forte dégradation, à peut-être 5-6 tours de l'arrivée, il aurait pu potentiellement gérer, je pense, cette 3e place. Donc, des gros regrets pour lui, mais une course magnifique, et peut-être, paradoxalement, sa meilleure course de la saison. Jusque-là, je pensais que c'était Montréal, sa meilleure course de la saison, mais il lui manquait justement cette petite niaque qu'il a eue pour dire « Non, non, je passe, j'en ai rien à foutre, j'y vais ». Vraiment beaucoup, beaucoup de très beaux dépassements dans ses remontées. Alors certes, il avait des meilleurs pneus,
mais c'est pas un circuit, c'est facile de dépasser. Et puis surtout, il a fait des dépassements à des endroits qui sont improbables. Vraiment dépasser comme ça à l'extérieur de Signes et dépasser dans le dernier virage. Le dernier virage, on a vu plein de pilotes se dire, allez, je tente le dive bomb, mais personne, grosso modo, a quasiment jamais réussi à le faire. Et non, son super taf de Sainz, vraiment, pour le coup, c'est mérité. Alors McLaren, je vais aller très vite sur McLaren parce qu'il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Norris fait une très belle qualif pour le coup, hein. Il fait un super tour P5, c'est assez incroyable vu le niveau de sa voiture de cette année. Norris fait des belles qualifs hein, de toute façon de manière générale. Mais Ricciardo, bon, une fois de plus, on essaye, il n'est pas là vraiment, c'est toujours aussi dramatique. Après Ricciardo, ça fait deux grands prix de suite qu'il est dans les points et où il tient son rôle dans le top 10 pendant toute la course. Il fait le taf. Ouais, c'est ça. Wasabi, tu dis, il est moins mauvais. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on peut dire de plus positif sur Ricciardo. Parce qu'il est à un niveau qui est, pour moi, très insuffisant pour un pilote de son calibre, quand même. Hein. Pour moi, c'est pas un pilote qui devrait se traîner à la 9e place comme ça. Ricciardo, il est 12e au général. Hein. Il est toujours derrière Magnussen. Il est très loin d'Alonso. Il a la moitié des points d'Alonso. Ricciardo, à moins qu'il commence à enchaîner les P6, P7, il va jamais rattraper Alonso. Hein. Donc, course assez anonyme de sa part, course anonyme de Norris aussi. Ils se sont battus avec Ocon toute la course, j'ai l'impression qu'Alonso était un petit peu au-dessus. Donc pas grand-chose à dire de McLaren, hein. ils restent dans le coup pour la 4ème place parce que, mine de rien, ils sont réguliers, ils scorent les points qu'il faut. Si Ricciardo en plus se met régulièrement à faire des renflées dans les points, ça va les aider dans la bataille avec Alpine. Mais je reste persuadé que l'Alpine est bien meilleure que la McLaren cette année. Pour moi, il n'y a pas photo et je pense qu'on le verrait beaucoup plus au classement s'il n'y avait pas eu autant de poisse pour Alonso. Pour moi, il y aura un écart de facilement 30 points entre les deux écuries à l'heure actuelle. Mais du coup, en tout cas, Alpine a enfin réussi à prendre un peu le dessus sur McLaren. Bon, ils n'ont que 4 points d'avance, hein. ça reste ridicule, mais ils sont quand même passés devant. Le problème, c'est qu'il y a toujours eu cet écart à cause des points qu'ils ont mis à Imola. Parce qu'à Imola, ils sont 5 et 6 en course sprint, les McLaren, là où les Alpines ne sont pas dans le top 8. Et il y a le podium de Norris, là où les Alpines marquent 0 points. Donc vraiment, c'est un Grand Prix qui leur a fait très mal, Imola, dans leur bataille, dans leur bagarre à distance. Mais voilà. Donc Alpine, bah, justement, j'y viens. Alors Alonso, il a fait une course très correcte, hein, globalement. Sans grande étincelle, en dehors de son dépassement sur Russell sur le départ. Il fait un super départ, mais Alonso, on a l'habitude, il est très très bon sur les départs. Déjà au départ il bouffe Norris qui bon lui de toute façon foire son départ vraiment, mais surtout il va aller faire l'extérieur sur Russell, c'est très très propre au virage 2 ce qu'il fait. Je pense que Russell s'attendait pas du tout à ça et il le tient en joue quelques tours avant légitimement de se faire déposer, hein. Et après il tient sa P6 toute la course, c'est à dire qu'il sera temporairement 5ème quand même entre le moment où Leclerc abandonne et le moment où Sainz remonte. Il sera dépassé deux fois par Sainz, il y aura eu un très beau dépassement d'ailleurs en plus de Sainz à un moment. Mais la course d'Alonso, elle est très clean, elle est irréprochable. Il ne pouvait pas faire mieux, hein. Il va chercher la P6, il est meilleur des autres. C'est une place qu'il aurait dû avoir beaucoup plus souvent cette saison. Donc voilà, rien vraiment à dire de ce côté. Il y a eu ce petit moment Alonso à la radio qui était marrant, où il a dit un truc du genre qu'il voulait s'assurer que la dégradation que les autres derrière abîment leurs pneus ou je sais plus quoi. Enfin, c'est du Alonso dans le texte. Hein. Ocon course beaucoup plus anonyme pour le coup, mais il a enfin marqué des points au Grand Prix de France, ça y est, il a vaincu le signe indien, alors un peu tard vu que c'est peut-être le dernier Grand Prix de France qu'il fait, je le souhaite pas pour lui, mais en tout cas il a assuré une 8ème place qui est, je pense qu'il pouvait viser de mieux, hein. Il n'arrivait pas à revenir sur Norris assez étrangement, je pensais qu'il arriverait, qu'il ferait 6 et 7 les Alpines, mais bon voilà, la 8ème place après une mauvaise qualif, c'est toujours ça de prix. Et le résultat global d'Alpine sur ce Grand Prix 6 et 8, c'est très bien. Ils auraient dû faire ce résultat de groupe à beaucoup plus de Grand Prix cette saison, c'est ça le problème. Si on regarde les résultats d'Alpine, 6 et 8, c'est leur meilleur résultat de groupe de la saison en fait. Jusque-là, ils avaient déjà fait 6 et 9, et 5 et 10, mais ils n'avaient jamais fait. Donc 6 et 8, ouais, c'est le meilleur résultat d'ensemble d'Alpine en fait sur un Grand Prix. Pas en nombre de points marqués, parce qu'en Autriche, ils ont marqué plus de points. Vu qu'il y a la 5ème place d'Ocon plus sa 6ème place en course sprint, mais par contre ouais, c'est clairement en termes de presque tir groupé ce qu'ils ont fait le mieux, un double top 8 en tout cas, c'est la première fois qu'ils le font, il n'y a pas eu de 7 et 8 une seule fois, donc même avec le système de points qu'on a eu entre 2003 et 2009, ils auraient tous deux marqué des points.
après Alpine, on passe. Alors là, on va commencer à passer à ceux sur qui on va un peu plus taper. On va parler d'AlphaTauri. AlphaTauri, c'est très très inquiétant. Non seulement c'est l'écurie, je pense, qui a la plus grosse dégringolade de perf par rapport à la saison dernière, mais j'ai aussi l'impression que c'est l'équipe qui a la plus grosse dégringolade de perf depuis le début de la saison. Parce qu'AlphaTauri, ils ont quand même marqué des points dans les 4 premiers Grands Prix de la saison, et ils en ont remarqué 2 fois dans les 4 suivants. Donc c'était honnête, hein, jusqu'à Bakou, surtout Bakou, bah, ils font leur meilleur résultat avec la P5 de Gasly. Jusqu'à Bakou, c'est propre, c'est vraiment propre. Enfin, c'est propre. Disons que c'est honnête, c'est honorable. Depuis, c'est une catastrophe. Le meilleur état, c'est une 12e place, c'est celle de Gasly aujourd'hui. Ils ont apporté des améliorations en plus pour ce Grand Prix, honnêtement, on les a pas vus. Gasly, en plus, une fois de plus, se fait niquer en qualif. Encore une fois, en Q1, il ne roule pas sur la fin de la Q1 pour assurer un chrono qu'il qualifie. Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé, mais ça commence à faire vraiment beaucoup. En course, bah, il n'a pas spécialement de rythme. J'ai cru à la fin qu'il pourrait peut-être aller chercher le point de la 10e place si les Aston Martin se dégommaient, ce qui n'est pas passé loin d'arriver. Mais non, en course anonyme. Et Tsunoda, il a gâché une très belle qualif dès le premier tour, en fait. Alors, en vrai, il s'accroche avec Ocon, c'est vrai que j'ai oublié d'ailleurs dans le débrief côté Ocon, il s'accroche avec Ocon qui pour le coup le fout dehors, et Ocon a pris une pénalité de 5 secondes qui est, je pense, relativement méritée pour le coup. Mais après, il remonte pas, il abandonne assez vite. Bon bah c'est dommage parce que Tsunoda fait des courses qui sont assez anecdotiques, voire inquiétantes depuis quelques temps. Là, il avait l'occasion de faire une belle perf peut-être, on n'a pas pu voir du coup ce que ça donnait sur le rythme de course, c'est un peu dommage. Puis bah, je vous dis, pour Gasly, ouais, c'est inquiétant. J'ai vraiment cette impression que depuis qu'il sait qu'il va encore traîner sa pelle une année de plus chez AlphaTauri, il a du mal à avoir la niaque en fait pour aller surperformer. Parce que j'ai cette impression qu'en fait il est en train de rouler au niveau de performance de sa voiture sans chercher à en faire plus. L'année dernière, clairement, on sentait qu'il y avait... déjà AlphaTauri était certainement meilleur, mais on sentait qu'il avait cette capacité à donner plus que ce que AlphaTauri pouvait lui proposer. Parce que le nombre de fois déjà, je crois qu'il fait... Il fait 16 ou 17 Grands Prix en Q3, il fait tout autant d'arrivées dans les points, beaucoup, beaucoup, beaucoup de top 7. Mais il y avait quand même de la surperformance dans ce qu'il faisait. Là, la surperformance, honnêtement, peut-être à part à Bakou, j'en ai jamais vu de sa part cette saison. J'ai l'impression qu'il a un côté un peu résigné, ça m'inquiète un peu. Il ne faudrait pas qu'il tombe dans une spirale négative où on l'oublie, parce qu'en Formule 1, on oublie très très vite les gens. C'est un peu le problème, et il ne faudrait pas que Gasly passe de... C'est lui qui remplacera Russell, Hamilton chez Mercedes ou Ricciardo chez McLaren. Il roule dans une écurie qui est de plus en plus mauvaise et il marque plus de points. Et du coup, on s'en fout. Ça m'inquiète un peu pour lui, honnêtement, et j'espère vraiment qu'il va pouvoir se relever. Je sais qu'à Budapest, il a toujours fait des bons résultats. Donc espérons qu'il fasse qu'il marque des points à Budapest pour partir en vacances sur une bonne dynamique. Ça lui ferait du bien. Parce que vraiment, là, pour le coup, ils sont dans le dur chez AlphaTauri, ça m'inquiète beaucoup. Une autre écurie qui est inquiétante, mais ça, c'est le cas depuis le début de la saison, c'est Aston Martin. De toute façon, Aston Martin, l'année dernière, n'a jamais été génial. Cette année, c'est encore pire. Et pour le coup, leurs deux pilotes, qu'est-ce qu'ils ont montré dans ce Grand Prix? Pas grand-chose. Coucou Boris, merci beaucoup, bonne idée, le F1 Rack, bah, c'est très gentil. Oui, c'est ça, il est passé dans le peloton, les commentateurs anglais ne parlent pas, c'est un peu le problème. Il est pas dans il est dans ce ventre mou, dans cette partie du midfield, effectivement, qu'on ignore énormément entre la 12e et la 15e place, et c'est très 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 emmerdant. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est à sa place vu les pertes de la voiture cette année. Alors Stroll a prouvé une fois de plus que c'était un des pilotes les plus les plus anecdotiques et inutiles du paddock, vraiment. Il a fait pour la 4e ou 5e fois de la saison, je crois, une 10e place. Il n'a jamais fait mieux cette saison, donc ça fait quand même 5 fois qu'il marque des points. Mais pourquoi il marque des points? Parce que le barème permet aux 10 premiers de rentrer dedans. Hein. Vraiment, sa saison, elle est très 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 médiocre. Stroll est très décevante. Je trouve que c'est peut-être sa plus mauvaise saison en F1, honnêtement. Je n'ai même pas compté celle de 2018 avec Williams parce que la voiture était un cauchemar et puis à l'époque il était encore jeune, il avait encore de l'espoir pour lui. J'ai vraiment trouvé son Grand Prix mais très très moyen, et pourtant c'était le meilleur de ce deuxième midfield, c'est-à-dire derrière le top 5 clairement, hein, parce que je vous dis, il y a une hiérarchie très très nette qui a été dessinée dans ce Grand Prix, c'est un top 5 des écuries et tout le reste, et c'était le meilleur des autres à ce moment-là.
Maintenant, la dixième place s'est jouée en permanence entre lui et Vettel dans ce Grand Prix. Et ce jusqu'au dernier virage. Et autant j'ai pas grand-chose à reprocher à Vettel qui y a cru, autant j'ai vraiment ce sentiment que Stroll, par frustration, ou peut-être pour rappeler à Vettel qui c'était le patron dans cette écurie, entre guillemets, j'ai vraiment ce sentiment qu'il a fait un break test dans le dernier virage, et c'est pas beau du tout à voir. Il suffit de revoir des images de ce qui s'est passé dans le dernier virage entre Stroll et Vettel. Je trouve que c'est pas beau du tout. J'ai vraiment cette impression qu'il a. Ouais, il a voulu, je sais pas s'il a voulu faire passer un message ou quoi. Enfin, c'est que des vilains gestes comme ça, jamais très gros, mais toujours vilains, il en fait beaucoup, beaucoup. On n'arrive pas à savoir si c'est des erreurs de pilotage ou vraiment des gestes délibérés. Dans les deux cas, c'est nul. Et j'ai franchement la saison où la Racing Point était une super voiture en 2020 et où il pouvait jouer régulièrement des podiums, bah, il a quand même été en chercher, hein. Il a fait deux podiums cette année-là. Seulement deux d'ailleurs, c'est très très peu quand on y réfléchit. Mais ouais, il avait fait une belle saison, il avait fait une pole sous la pluie, il avait régulièrement fait des 4e, 5e places en course, il avait le rythme. On s'est dit, bon bah voilà, avec une bonne voiture, Stroll, il peut faire des trucs bien, même si on a toujours cette impression qu'il se faisait chier. Là, cette saison, vraiment, je trouve qu'il est mauvais, aussi bien en termes de performance qu'en termes d'état d'esprit. Vraiment, voilà, l'accrochage avec Latifi en essai à Melbourne, c'était vraiment, vraiment horrible. Mais ça, alors oui, comme tu dis, Wasabi, j'ai l'impression que Stroll fait de la F1 parce que son père veut qu'il fasse de la F1, c'est ça. Bon, il est talentueux, évidemment, parce qu'il sait conduire une Formule 1. Il sait conduire une Formule 1 en faisant des tours à grand maximum 2 secondes de Max Verstappen. Donc, évidemment que c'est un excellent pilote et qu'il a le talent, mais il n'a pas la motivation, il n'a pas l'envie, il s'en fout. On a vraiment l'impression qu'il s'en tape, en fait. C'est incroyable d'être aussi talentueux, mais d'avoir pas envie d'en faire quelque chose. C'est incroyable. Est-ce qu'il serait pas mieux finalement, peut-être, dans une autre discipline? Est-ce qu'il s'éclaterait peut-être pas plus en IndyCar? J'en sais rien. Mais la F1, c'est pas pour lui. Visiblement, il s'y fait chier. Il doit pas être heureux, ce garçon. De toute évidence, l'argent ne fait pas le bonheur chez lui, hein, ça se voit. Et en plus, voilà, le problème, c'est que bah oui, tant que. En fait, ça se trouve, il a peut-être déjà dit à son père, ça me fait chier, mais son père il a dit ouais, mais tu continues. Et c'est vraiment problématique comme situation. Alors le Johan Gourcuff de la F1, puis déjà j'irai pas jusque-là parce que Johan Gourcuff était un talent en or massif. Stroll ne m'a jamais donné l'impression d'être un talent en or massif. Stroll est d'une génération similaire à Leclerc, Verstappen, Gasly, Norris, Russell. Je le trouve extrêmement en dessous de tous ces pilotes. Le seul coup d'éclat qu'il fait, c'est une pole sous la pluie, certes. Et les podiums qu'il a, c'est toujours dans des courses qui sont quand même des gros bordels. C'est-à-dire, c'est Baku 2017, c'est Monza 2020 et Sakhir 2020. C'est des courses où normalement il finit pas sur le podium. Mais ouais, c'est vraiment. Pour moi, c'est pas un. Pour moi, voilà, c'est juste un excellent pilote qui sait conduire une F1. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas, concrètement, c'est pas un mec qui n'a pas sa place en F1 dans le sens où c'est une charrette, c'est pas comme certains pilotes payants qu'on a connus qui couraient à 5-6 secondes plus lentement que le leader. Non, lui, il sait conduire une F1, mais il n'y a pas d'étincelle du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas l'envie, il n'y a pas la motivation derrière lui. Et pour moi, il se transcende jamais, en fait. Je suis convaincu qu'on n'a jamais vu le meilleur de ce qu'il est capable de proposer et qu'on ne le verra jamais. Parce qu'il doit s'en foutre. C'est triste, le problème c'est que voilà, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche et je pense qu'il a dû. Il doit être peut-être, je sais pas, ouais, peut-être frustré vis-à-vis de ça, de savoir que de toute façon il peut avoir tout ce qu'il veut et. C'est un peu triste. Et puis bah c'est vrai que ça fait pas le meilleur duo possible avec un Vettel qui lui est sur la fin, qui en a plus rien à foutre, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est clairement probablement un des pires duos de pilotes qui existent en fait en termes d'équilibre. Et puis bah, Vettel, sa course, elle est. Bon, c'est pareil, elle est anecdotique. Hein. Il pouvait prendre la 10e place, il ne l'a pas prise. Le highlight de Vettel, c'est d'avoir conduit une Aston Martin des années 20 jeudi. Hein. C'est tout. En dehors de ça, son week-end, on oublie. Il me reste trois écuries à voir. Donc il me reste évidemment bah, les trois écuries de fond de peloton de l'année dernière. Alors c'est pareil, je prends vraiment en fonction du classement de l'année dernière. Hein. C'est pour ça que j'ai d'abord évoqué Williams avant Alfa Romeo et As. Bah Williams, Grand Prix classique pour eux, hein, c'est-à-dire c'est de toute façon la moins bonne écurie cette saison, on le sait. Latifi est le moins bon pilote sur la grille, on le sait. Latifi, c'est pour moi un pilote probablement
aussi anecdotique que Stroll, à cette différence qu'il est sympathique. Latifi, c'est pas un mauvais bougre, vraiment. C'est juste que il est trop insuffisant pour la F1. Et en plus, bah, il est dans la pire écurie. C'est-à-dire que si vous êtes dans la pire écurie, mais que vous arrivez à surperformer comme a fait Russell pendant plusieurs années, ou alors que vous faites de temps en temps des petits coups d'éclat comme fait Albon, ça va. Mais si vous êtes déjà même pas un bon pilote de base, enfin un bon pilote, un pilote de ouf de base, et qu'en plus vous êtes dans la pire écurie, vous pouvez rien espérer. Vous mettez Stroll dans cette Williams, je pense que c'est la même chose que Latifi. Hein. Du coup, bah, Latifi, voilà, c'est une course anecdotique de plus. Il a abandonné, il s'est accroché un moment avec, avec Schumacher, je crois. C'est, voilà, c'est un grand prix plus à oublier pour lui, on ne va pas s'éterniser. Albon, bah, il fait P13, il a été à la porte des points plusieurs fois dans le Grand Prix. C'est très souvent le cas, hein. Albon, si vous regardez le nombre de Grand Prix qu'il a fini 12 ou 13 cette année, il y en a un paquet. Je vous dis, hein, il fait ce qu'il peut avec cette caisse, c'est honorable ce qu'il fait, même si c'est évidemment, ça se voit pas des masses. Faut qu'il y ait un Grand Prix où il arrive à se mettre en valeur, à choper une 9e ou 10e place comme il l'a fait, notamment à Melbourne très intelligemment, ou à Miami avec le chaos qu'il y a eu sur la fin. Je suis convaincu qu'il pourra rechoper un point sur une course à la con. Je le vois bien choper un point à Singapour par exemple, Albon. Mais bon, voilà, il a fait une course de Nîmes de plus et il en fera d'autres. Il n'y a rien à tirer de son... Il n'y a pas d'enseignement, si vous voulez, à tirer de la perte d'Albon sur ce Grand Prix. Il fait exactement le même résultat quasiment qu'en Autriche et au Canada. Voilà, il a sa place en fait. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a des abandons, il arrive à assurer... En fait, Albon, ce qui est important, c'est qu'il n'est jamais dernier. Il n'est jamais complètement dans les choux. Il a une voiture qui est la moins bonne, c'est moins bon packaging, mais il arrive à ne jamais être trop dans les choux. Et c'est tout ce qui compte parce que lui, ce qu'il veut, c'est sauver sa place en F1. Et en arrivant à faire des petites perfs comme ça de temps en temps au volant de la pire voiture, il peut convaincre une écurie du midfield de lui donner sa chance et de sauver sa carrière. Et une carrière qui était quand même un peu en pointillé, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, c'est moyen, mais c'est pas mauvais. Alfa Romeo, là par contre, c'est inquiétant. C'est-à-dire que j'ai évoqué AlphaTauri comme grosse descente aux enfers en termes de perf, mais Alfa Romeo c'est encore plus inquiétant parce que vraiment là ils sont nulle part depuis quelques Grands Prix. Autant en Grande-Bretagne on a pu juger de rien parce que bon, il y a eu l'horrible accident de Joe au départ qui d'ailleurs c'est heureusement très bien fini pour lui. Bottas, je sais plus pourquoi il a abandonné, mais il a abandonné aussi. C'était le premier double abandon de la saison d'ailleurs pour eux. Et honnêtement, en Autriche, en France, ils sont jamais été là. En Autriche, Bottas a failli quand même sauver le point de la 10e place, mais il s'est fait piquer par Alonso à la fin parce qu'Alonso tournait limite 3 secondes autour plus vite que lui. Mais alors là, ils ont été mais anonymes de chez anonymes. C'était limite la plus mauvaise voiture sur la piste en fin de Grand Prix. Bottas était dernier pendant plusieurs tours. Il luttait avec Schumacher. Une fois que Latifi n'était plus là, il était dernier. Joe, bon, bah, il a eu son lot d'emmerdes. Il a eu son accrochage, notamment à un moment avec Magnussen. Mais ils n'ont pas été là du tout. On ne les a jamais vus du week-end. Ils n'ont pas existé. Est-ce qu'on les reverra remarquer des points de temps en temps sur certains circuits comme Haas donne l'impression de pouvoir le faire? Je pense que oui quand même, mais la question c'est d'identifier qu'est-ce qui peut se passer. Il s'est passé un très bon truc au Canada où ils ont fini 7 et 8, mais depuis plus rien. Franchement le Canada c'est un épiphénomène et c'est à se demander si justement c'est pas le genre de truc qu'ils vont reproduire comme Haas comme ça sans prévenir, sans qu'on le voit venir. Mais ouais, leur rang semble similaire à celui de AlphaTauri actuellement et c'est un peu dommage pour eux parce qu'on les voyait franchement lutter avec McLaren à un moment. On s'est dit il y a peut-être moyen, surtout avec l'expérience de Bottas. Et en fait c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que Joe pour le coup, bon bah il n'y a pas énormément de choses à lui reprocher, même si ces 2-3 derniers Grands Prix sont pas ouf. Bottas, là je trouve qu'il est dans le dur. Et ça il faisait bonne impression au début de la saison, comme tu dis Maurice. Mais est-ce qu'il n'est peut-être pas un peu saoulé parce que la voiture est devenue... Enfin, c'est pas qu'elle est devenue affreuse, c'est que la voiture peut-être qu'elle elle manque de développement en fait, tout simplement. Cette voiture n'évolue pas et du coup bah, les autres les ont dépassés. Ça serait bien qu'il se ressaisisse un peu parce que je pense que Bottas a quand même encore des beaux trucs à prouver. On a vu en début de saison qu'il pouvait faire des top 6, top 7 assez facilement. Donc je désespère pas pour eux, mais il y a quand même une sonnette d'alarme à tirer. Faut se ressaisir. Je pense que là pour le coup, eux, la trêve va leur faire le plus grand bien. Beaucoup plus qu'AlphaTauri, ou AlphaTauri, je suis vraiment inquiet pour le coup. Et puis Haas, bah Haas pour finir. Le compte Twitter de l'écurie, ils l'ont dit, hein, ils ont dit notre meilleur tour, c'était le premier. Et c'est vrai que le premier tour des deux As est incroyable. Aussi bien Mick Schumacher que Mazepin. que Magnussen, pardon, excusez-moi. Magnussen, d'ailleurs, j'étais très dégoûté pour lui parce qu'il avait fait une belle Q3. Et bon, bah voilà, changement de pièce par dernier, derrière Sainz.
Ils se retrouvent très très bien, je crois qu'ils sont 12 et 13 à la fin du premier tour, alors qu'ils étaient tous les deux extrêmement mal classés sur la grille. Et en fait, ils ont tenté un pari stratégique en s'arrêtant très tôt, qui a été flingué vraiment, peut-être par la safety car, je sais pas, mais en tout cas, ils ont vraiment merdé sur leur pari. Du coup, ils se sont retrouvés dans les choux à se bagarrer avec les Williams et les Alfa Romeo. Ils sont jamais remontés. Ils se sont accrochés, tous les deux en plus, hein, que ce soit Schumacher et Magnussen, ils se sont accrochés avec Latifi et avec Joe. Magnussen a fini par abandonner, Schumacher il a fini dernier. Donc voilà, bon, bah, ils avaient fait un week-end parfait en Autriche. Ils ont fait un week-end très très bon aussi en Angleterre, même s'ils ont bénéficié des circonstances de course. Là, ils étaient nulle part. Quel sera le prochain Grand Prix où As va nous faire à nouveau une surprise où les deux sont en Q3 et finissent tous les deux dans les points? J'en sais rien. Ils sont très imprévisibles. En regardant la physionomie des Grands Prix où ils perfent, on n'arrive pas vraiment à comprendre une tendance. C'est un peu random. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais du coup, ouais, il n'y a pas grand-chose à tirer de la performance ni de l'un ni de l'autre. C'est juste que voilà, il y aura certainement de meilleurs jours pour eux. Et je m'inquiète jamais pour As parce que vraiment, on a vu cette saison que la voiture marchait bien, qu'il y aurait de temps en temps des week-ends sans. Mais cette voiture, moi, je serais pas surpris de l'avoir capable de rattraper Alpha à un moment parce que finalement, il n'y a que 17 points d'écart entre eux. Et vraiment, la lutte pour la sixième place, comment dire, le deuxième midfield entre Alpha, As, peut-être AlphaTauri s'il se relève. J'ose pas trop inclure Aston Martin dedans parce qu'Aston Martin, le problème c'est que quand il marque des points, c'est entre 8e et 10e. Donc voilà. Il y a peut-être ouais, il y a peut-être quelque chose à faire quand même pour eux. Hein. C'est vraiment une. Et puis c'est une écurie qui est passée de l'écurie la plus détestée du paddock à une des préférées en fait. Moi je suis très content que cette écurie ait survécu. Bon, Günther Steiner, même s'il y a toujours ce côté personnage surjoué, très très mis en avant par Netflix, je le trouve vraiment immensément sympathique comme type. Je suis trop content que Magnussen soit revenu en F1, on a vu vraiment que c'était pas juste un mauvais gars qui laissait personne le doubler et qui s'accrochait souvent. Non, c'est un mec avec un putain de coup de volant et il est très très bien revenu. Vraiment, c'est cool. Et puis Mick Schumacher, on a pu voir vraiment dans les deux derniers Grands Prix que oui, non, il a sa place en F1. Donc ouais, j'ai hâte de les voir. Ah, ils font une upgrade en Hongrie. Ah, ça serait cool de voir ça, tiens. Donc voilà pour le bilan côté pilote. Le bilan côté écurie, je vous dis, bah lui, je vais pas m'attarder dessus parce qu'il est assez similaire finalement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Hongrie pour finir? Parce que donc bah, c'est le prochain Grand Prix qui est dans une semaine. Alors je vous ferai pas un react le jour même, celui-là par contre, je vous ferai un react, je pense, le lundi soir. Mais il faut savoir que le Grand Prix d'Hongrie, c'est vraiment un de ces Grands Prix qui a un profil très très spécifique. C'est avec Singapour et Monaco le Grand Prix où on a le plus d'appui. C'est un circuit très lent, avec une seule vraie ligne droite et elle n'est pas très très longue. Le reste, c'est vraiment un enchaînement de virages modérément rapide, voire carrément lent. C'est un circuit court, donc beaucoup beaucoup de tours. Circuit assez épuisant physiquement parce que souvent il fait très chaud, le Grand Prix est long. Et bah, le problème du Grand Prix de Hongrie, c'est qu'il est réputé pour être un Grand Prix ennuyeux, mais en vrai, il y a eu beaucoup de Grand Prix de Hongrie de ouf. Et en plus, le Grand Prix de Hongrie, c'est pas impossible qu'il y ait de la pluie. Hein. C'est un Grand Prix où la pluie, elle arrive quand même assez régulièrement. Et puis, bah, rappelez-vous, l'année dernière, c'est quand même le Grand Prix qui a remporté Esteban Ocon. Hein. C'était assez fou ce qui s'est passé en Grand Prix, les premiers points de la saison pour Williams, l'énorme carambolage du départ, Verstappen qui arrive à sauver 2 points avec une voiture rafistolée au Chatterton. C'est un Grand Prix qui est supposé être fait pour Ferrari, oui, parce que pas besoin de grosse vitesse de pointe, besoin d'être performant dans les virages, besoin d'être performant avec de l'appui. Donc, logiquement, sur le papier, avantage Ferrari, mais on sait très bien à quel point dans cette saison, les avantages supposés, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donne. J'ai évidemment en tout cas hâte de regarder ça, comme n'importe quel Grand Prix de F1, de toute façon. Hein, je vous dis, moi, des Grands Prix, j'en rate jamais et j'essaie de ne jamais non plus rater les séances qualif et de regarder, ou en tout cas de mettre en fond toutes les séances d'essais libres de chaque Grand Prix, tout en suivant la F2 et la F3 si je peux aussi. Donc voilà, très très hâte de cette nouvelle Race Week qui débute dès demain matin, hein, puisque donc, le prochain week-end démarre dès vendredi matin, enfin vendredi midi plutôt.
à Budapest. Ça pourrait être un bon Grand Prix pour Mercedes aussi. Ouais, c'est vrai que Mercedes a peut-être un bon châssis. Manque un peu de perf en vitesse pure, mais ça peut être intéressant. D'ailleurs, à noter que Hamilton, considère que c'est une de ses pires saisons. Quelles étaient les pires saisons d'Hamilton? C'est 2009 et 2013. Quels sont les Grands Prix que gagne Hamilton en 2009 et 2013? Budapest. Donc, qui sait? Et si la seule victoire d'Hamilton pour maintenir sa série et battre le record de Schumacher, d'ailleurs, enfin, le record qu'il co-détient avec Schumacher, était le Grand Prix de Hongrie. Je serais pas surpris, en vrai, de voir Hamilton gagner à Budapest. C'est pas impossible. Et d'ailleurs, il battrait le record de victoire d'un pilote sur un seul unique circuit. Parce que je crois qu'il a 8 victoires à Budapest. Et bah, je crois qu'il n'y a que Schumacher en France et je sais plus où qui a 8 victoires aussi. Peut-être Imola. Ouais, peut-être Imola d'ailleurs. Et le Canada aussi, je crois. Mais ouais, il pourrait peut-être faire une 9e victoire à Budapest. Ça serait assez fou. Et vu que j'évoquais un record, d'ailleurs, hein, j'ai complètement oublié. J'ai oublié ce record. Mais Alonso a battu le record du plus grand nombre de tours terminés dans une carrière de F1. Il a battu le record donc détenu par Raikkonen. Il a couru moins de Grand Prix que Raikkonen pour l'instant, mais il en a fini plus et il a surtout terminé plus de tours que Raikkonen dans sa carrière. Et il battra le record de Grand Prix de Raikkonen, je crois, à Singapour, de ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est dans 5 Grands Prix. Bref, voilà du coup hein, pour ce petit live débrief. Si jamais vous avez des remarques sur la manière dont je l'ai organisé, si vous estimez que j'ai suffisamment interagi avec vous, si vous estimez que je devrais plus interagir, n'hésitez pas. Pour la partie technique du live, c'est très en dessous de ce que je peux vous proposer. C'est normal parce que je suis sur un setup, je vous dis, je ne sais pas comment il tient. Si il tient comme... la Red Bull de Verstappen au Grand Prix de Hongrie 2021. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait le maximum qu'il peut pour s'assurer d'aller au bout, mais il ne peut pas faire plus. Quoi. Mais ouais, du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu de causer Formule 1 avec moi. Ça a permis en plus de rencontrer quelques nouveaux viewers. Donc d'ailleurs, hein, les nouveaux qui sont arrivés, n'hésitez pas à passer sur mes live jeux vidéo aussi, parce que bah, je fais beaucoup de live jeux vidéo, ça reste quand même mon activité principale à la base, sur Twitch j'entends. Le prochain, je ne sais pas quand ce sera, je ne suis pas surpris d'en faire un demain soir, lundi, c'est pas exclure, je ne sais pas encore sur quoi, mais c'est pas impossible que je le fasse. Je ferai certainement un autre live react sur le Grand Prix de Hongrie, mais lui il sera le lundi soir par contre. Hey, coucou Alzagon, ça fait plaisir de te voir ici, merci beaucoup, c'est gentil d'être passé en lurk. C'est super sympa. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce qu'il y a un channel F1 quand même dédié dedans. Je vous mets mes réseaux, comme vous pouvez le voir. Il y a la commande qui est affichée d'ailleurs sur l'overlay. Mais du coup, ouais, si le format vous a plu, l'idée, hein, ça sera toujours la même chose, c'est voilà, de revenir sur le Grand Prix qui se sera écoulé, d'évoquer pour moi ce qui ont été les points clés. Les points clés pour moi aujourd'hui, c'était la nouvelle Disaster Class de Ferrari. Le fait que c'était un Grand Prix qui vraiment pour le coup avait vraiment nivelé les écuries de façon assez claire et nette et l'avenir du Grand Prix de France en danger et puis en plus des points clés évoquer un bilan des pilotes à chaque fois et potentiellement d'évoquer les tendances pour le Grand Prix à suivre pour prendre un peu la température surtout que là en plus il est très proche donc voilà. Mais du coup bah, je suis content si ça vous a plu, je vais essayer donc de faire ça après chaque Grand Prix. Donc peut-être soit le jour même après le Grand Prix comme j'ai fait aujourd'hui, soit le lundi soir dans le pire des cas, ça dépend en fait de comment j'organise mes week-ends, mais dans le pire des cas ce sera le lundi. Écoutez, en attendant, voilà, portez-vous bien. Passez une excellente fin de week-end, ça m'a fait plaisir de vous avoir et de discuter F1 avec vous, ça m'a changé. Et puis bah j'espère en tout cas vous avoir fait cette impression, mais moi je me suis senti finalement assez à l'aise là-dedans, malgré mes connaissances peut-être techniques un peu limitées sur certains points du sport mécanique quand même le plus pointu de la planète. Mais en tout cas, voilà, j'ai kiffé le faire et j'ai hâte de remettre ça avec vous dans 8 jours après le Grand Prix de Hongrie.
puis comme ça, en plus, ce qui est bien, c'est que comme on va se faire chier pendant un mois qu'il n'y aura pas de F1, je pourrais vous faire un beaucoup plus gros live bilan à mi-saison où je reviendrai sur la totalité de ce qu'on a vu jusque-là. Enfin, mi-saison, pas tout à fait, parce qu'en vrai, on aura déjà fait pas loin des deux tiers, mais ça sera au moment de la trêve estivale. Passez une bonne fin de dimanche, mon prochain live ce sera demain soir, je ne sais pas encore sur quoi, surveillez mon compte Twitter et le Discord pour les annonces du planning de la semaine à venir. Il n'y a pas d'Amibro demain, bien sûr l'émission ne reprendra que à partir de la semaine du 5 septembre sur le stream de toute façon. Passez un excellent fin de dimanche et à très bientôt, merci beaucoup de votre soutien, ciao.